passe. Allez. Second poteau, Pavard. Oh, Benjamin Pavard. This is Sparta. Un boulot pour moi. Ok, alors appelle-moi au boulot. Ok, en italien. Ciao, come sta? Alhamdulillah. Salam alaikum, les gens. Bassem, Vénitieux 692. Ouais. Donc aujourd'hui, on fait une radio. Venez les frères. Venez mes frères. Vous avez des choses à nous dire ? Voilà. Vous faites les malins, vous ? Viens, viens. Ouais, voilà, elle m'a fendu le cœur. L'équipe technique, vous mettez une perruque Louis XVI, s'il vous plaît. Ah, tu vois, vous allez voir. Venez vous confier à nous. En plus, il y a plein de lépreuses qui nous écoutent la soirée. C'est excellent. Intelligence avec les nuits. Ouais, le nouveau bar en retard, c'est la technique. Alors les gens, sinon, viens, viens. Mon t-shirt, on dirait un pêcheur de Guérande. Mais tu connais rien, sale gamin. Bien sûr, excuse-moi. Laisse-moi avec mon t-shirt. Trimatelo, la la la. Je préfère ça que petit pas de. Après, il faut savoir où on est, hein, mais bon. Ouais. Mais j'étais pas à Marseille aujourd'hui. La vidéo, elle date, mesdames et messieurs. La vidéo, elle date. En tout cas, c'est un super bon snack. Wallah, il arrive, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Alors, je vais. Donc, comme j'ai dit dans mon snap, on va essayer d'en parler, là, avec les frères, là. Voir à peu près ce que ça donne. Alors. Bouge pas. On va essayer de parler des chagrins d'amour. C'est tabou, mais c'est un déni. Et les frères, on est dans le déni le plus total. Tu as vu la vidéo Amar Béa? Ouais, ouais, il y a celle-là et il y en a une autre. Où carrément, elles sont cinq en train de pomper en même temps. Mais comment tu peux voir le zboub à ton pote? Comment? Je comprends pas. Wallah, c'est chaud. C'est bouillant. C'est bouillant. Non, les gars, on n'est pas là dans la confidence, les frères. On va pas faire les confidences. Arrêtez de casser des bureaux. Non. On va comprendre techniquement... Vous allez tous y être confrontés, sinon vous n'êtes pas humain. Sinon vous n'êtes pas humain. Attends. Ouais, c'est des mecs du... Ah oui, c'est le frère qui m'a dit de l'appeler à 23h30. Autant pour moi. Attends, excuse-moi. C'est bien. On l'a fouillé. J'écris comme un médecin. Bassem, t'es un ancien soldat de la Wehrmacht, ya ? Oui. Pourquoi Skype déconne ? Le numéro saisi n'est pas valide. 81. Ah ouais, merde. Excusez-moi, les gens. Alors. Attends. Le téléphone de la radio, là, le nouveau, là, il marche, là, ou pas? Est-ce qu'il marche? Dites-moi s'il marche, s'il vous plaît. Bien sûr,
Allô, Selem, frère. Allô. Oui. Selem, ça va, tu vas bien? Oui, c'est qui? Comment c'est qui? Tu m'as donné ton numéro, non? Ah bon? Pour passer à la radio, non? Je me suis trompé? Ah oui. C'est bon. Attends, je te laisse, Mohamed. Ah, plus. Ouais, je suis au travail. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu me prends pour un con. Tu m'as dit appelle-moi à 23h30, Rezama, tu sais pas qui c'est. Hein? Non, je te jure. Tu assumes pas de m'appeler devant ton pote? Devant ton pote Mohamed? Non, c'est pour mon pote. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, moi, c'est ça. Je travaille la sécurité de moi. Ouais. Et la marmotte, elle me. D'accord, allez, vas-y, bon, allez, parle-nous de ton chagrin d'amour. J'ai envie de te dire cher à toi, d'entrée de jeu. Je sais pas pourquoi. Non, je rigole. Non, je rigole, frérot, tranquille. Marah baby, que sois la bienvenue, enfoiré. Dis-nous à peu près, c'est quoi ton point de vue? Allez, putain, envoie la sauce. Allez. Mon point de vue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, moi, j'ai vécu une histoire un peu similaire à la tienne. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'étais avec une fille pendant longtemps et je ne me suis pas marié comme toi, mais on a fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire demande de main, tout ça et tout. Tu sais comment ça se passe et tout avec la famille, tout ça et tout. Et pourquoi t'as dit tu t'as pas fait comme moi? Je suis allé la récupérer dans une maison close. J'ai envie de te dire, je sais pas, j'ai fait pareil que toi, je comprends pas. Bon, vas-y, bref, allez, ensuite. Bah, toi, tu t'es marié, t'as eu des enfants. C'est différent. Ah, ouais, bien sûr. C'est ça? Ah, non. Voilà. Eh ben obligé. Ouais, bon, bref. Ouais, voilà. Donc du coup, j'ai demandé la main, bien comme il faut et tout, avec la famille, tout ça et tout. Et voilà quoi, et après au final, ça a pas abouti. Et tu sais comment nous, on a la fierté, comment dire. Et du coup, on n'a pas... Qu'on a la fierté, quand c'était fini, ben j'ai fait style le mec, ouais, c'est bon, c'est fini, au bout de quelques temps. Et au final, tu regrettes, quoi. Tu regrettes. Frérot, c'est de ta faute que c'est fini, frérot, entre nous. Tu peux dire oui et non, en fait. J'ai pas compris, oui et non. Il fallait me dire oui. Oui et non, t'as plus de fierté. Enfin, bon bref. Oui et non, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'elle te reprochait? Tu l'as invitée au bifcat? Quoi? Je sais pas, je jetterais une grenade. Non, bref. Tu sais, dans ces restaurants-là. Tu sais, ces restos de la capitale, halal, là. Putain de merde. Non. Putain de merde. Je suis jamais allé à la capitale de ma... J'y vais avec la Luftwaffe. Ah, titan. Ouais, frérot. De la viande sur les murs. De la viande en plus fraîche et tout. Alors... Il s'est passé quoi? Elle t'a dit, c'était combien de temps vous êtes restés ensemble? En tout, on est restés ensemble 3 ans. Et comment ça se fait que c'est fini? Ça s'est fini crescendo ou c'est... Ça s'est fini, on va dire, brutalement. Comment ça, brutalement? Crescendo, brutalement. Brutalement, tu reçois, t'as dit, ça y est, c'est fini. C'est vrai? C'est fini parce que... Oui, parce que pour telle et telle raison, parce que... Elle me reprochait certaines choses, et notamment que j'avais pas à l'époque de profession, quand j'avais pas une profession fixe, et je faisais un peu d'intérim, tout ça et tout. Et donc, du coup, elle me reprochait ça. Attends, rappelle-moi, vous étiez en couple? Enfin, vous habitiez ensemble? Non, pas du tout. Non. Elle habitait chez ses parents? Ok. Ouais, donc, elle habitait chez ses parents alors? Oui, elle habitait chez ses parents, moi chez les miens, et voilà. Et c'est pour ça que je te disais... Frère, je sais pas pourquoi, mais... C'est mon sentiment. Elle a peut-être eu raison. Pourquoi? Parce que tu as l'air d'être un putain d'enculé. Je sais pas pourquoi, je ressens... J'essaye de sentir comme chacun de la Vierge... J'essaye de sentir ta cosmo-énergie et je pense que tu n'es pas vrai. C'est mon ressenti. Alors frère, je pense qu'elle t'attège. Alors, une fois qu'elle t'attège, toi, t'as pas cherché à savoir, en fait. T'as pas cherché à savoir le pourquoi du comment. Tu as fait le fier et tu as regretté après. Non, ça veut dire que moi, quand ça s'est terminé, j'ai fait le fier, tout ça et tout.
ma famille a essayé d'arranger les choses avec sa famille, tout ça et tout. Ah putain! Parce que je t'ai dit, il y a eu demande de main officielle. Donc pour moi, je l'ai vécu comme un divorce. Parce que tu sais. Ah, ça, attends, fait, alors excuse-moi, j'étais pas au courant que les parents, ils étaient au courant. Non, non, il y a eu demande de main. Il y a eu demande de main. C'est-à-dire que mes parents sont venus, lui ont demandé la main. Ses parents, elles, ils ont accepté. Donc pour moi, c'était. Pour moi, on a fait un fiançailles avec les deux familles réunies, tout ça et tout et tout. Et on l'a fait au bled. D'accord? On l'a fait au bled. On est tous les deux natifs de France. Et on l'a fait au bled. Parce que, voilà, on est un peu attaché au bled. Donc, on l'a fait au bled. D'accord. Et il y a eu des présentations des deux familles. Donc, pour moi, j'ai présenté ma famille. Il y a eu un halal ? Il y a eu un mariage religieux ? Il y a eu, comment on dit nous, la lecture de la Fatiha. Et par la suite, le fiançailles, la demande de main officielle, voilà. Comme tu connais pas, alors. Voilà, exactement. D'abord ça, et après le fiançailles, dans la même année. À 2 semaines d'intervalle. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que. Donc c'est pour ça que je te dis que. C'est compliqué. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Donc, frérot, de quelle origine t'es ? De quelle origine je suis. On va... Ouais, je t'ai demandé ton code de CB ou je comprends pas. Mais non, je... non, comme toi. Comme toi, la même région que toi. Ah ! Et elle aussi ? Elle. De notre pays à nous, mais pas de la même région que moi. Elle est de... Ah, ça veut dire c'est une fille de chez nous. Ah, d'accord. Un charfou. Ouais, c'est... Ouais, je connais. Ouais. On dakhlek fil habs, hein. Miss. Wallahi, miss. Hein. Miss. Taoutchouf. Miss, on dakhlek fil habs. Voilà, c'est les meilleurs. Bref. Ouais. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est bon. Voilà. Comment t'as pu... Donc, comment coup, t'as moi, géré ça, moi, frérot? Ça veut dire, avant moi, de venir te voir, elle a dû tout déballer à ses parents. Elle te reprochait quoi, frère? Exactement. J'arrive pas à comprendre. Je te dis, elle a tout dit à sa famille d'abord, parce que comme c'était truc officiel et tout, donc elle a tout déballé, comme tu dis, elle a bien fait les choses, elle a dit à sa famille et tout. Ouais, une bah fois oui. qu'elle a dit à sa famille, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, ma famille est au courant. Entre toi et moi, c'est fini, voilà, pour telle chose. C'est-à-dire parce que je n'avais pas une situation professionnelle fixe et qu'elle voyait que, sur le court terme, on ne pouvait pas, parce qu'on avait envisagé de se marier l'année d'après. Et en fait, elle se disait que dans un an, tout ça et tout, j'allais pas assumer financièrement le mariage et l'installation et de meubler un foyer, tout ça et tout. Putain, c'est chaud. En gros, elle a dit à ses parents « Moucherajl ». Hein? Exactement. Haka. Voilà. Ouais, mais. Mais frérot, eh oh! Hein, on est de la même région! Pas aussi péjoratif. Si! Tu dis, mais si. Ça se ressemble. Marte Zerri! Si! Ah si, enfin, je pense qu'elle a dû dire ça. Et alors, de quelle façon t'es comporté pour en arriver là? La honte! Mais quelle honte! Vas-y, frérot, ensuite, il s'est passé quoi? Et je te dis, après, comme. En fait, comme c'était une personne qui écoutait beaucoup sa famille et la seule famille proche qu'elle avait, c'était tous des blédards, donc ils lui ont tous monté la tête en disant « Ouais, si tu lui fais un ultimatum, tu lui dis c'est maintenant ou jamais le mariage, sinon c'est pas la peine, ça veut dire qu'il va te prendre pour un con, il va te faire tirer, tout ça et tout. » Et moi, j'étais sincère dans mon truc. C'était comme tu dis, notre amour, quoi. Une fois que j'ai présenté ma famille et tout, c'était quand même mariage. Et moi, c'était la honte pour moi. Que je savais pas comment annoncer à ma famille, quoi, tu vois. Quand elle m'a annoncé le truc et tout. Et mais elle te l'a annoncé. Mais t'es lourd. Elle te l'a annoncé pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as rien, fait? Rien. Comme ça. Mais je te le dis. Rien. D'un coup. Rien. D'un coup, elle a. Rien. Elle habitait où? Elle habitait au bled ou elle habitait en France? Non, vous êtes les deux de France, hein, c'est ça. Hein. Bien sûr. Êtes les deux de France. Donc, vous voyez automatiquement. De deux. Il s'est passé. De deux régions différentes, d'accord? Ouais, ok, d'accord. Vous êtes partis en vacances ensemble? On s'est rencontrés en vacances au bled. Après que vous avez fait votre halal, vous êtes partis en vacances ensemble? Non. Jamais. Genre, on se voit le soir, tout ça et tout, normal, boire un verre et tout. Et après, rentrer chez elle, moi je rentre chez moi, c'est tout. D'accord, donc tu rentrais chez toi. Comment ça se fait que ton amour, il dure 3 ans? Enfin, je comprends pas. Et en 3 ans, vous avez rien fait? Non, rien du tout.
Non, non. J'ai pas compris. Vous avez rien fait? Non, rien du tout. Non, non, rien du tout. Rien. Non, c'était impossible. J'étais jeune et pour moi, c'était... Comment t'expliquer? J'avais une... Pour moi, c'était de la... ça avait de la valeur, tu vois, dans le sens où... C'est très précieux pour moi. C'était quelque chose de... De... Comment t'expliquer? C'est... Je sais pas, moi j'ai été éduqué comme ça, donc à l'ancienne, on va dire. Et pour moi, c'était, voilà, ça c'était le truc suprême, quoi, à pas toucher, quoi. Le truc suprême à pas toucher, ouais, je préfère aller déboîter ailleurs. Hein, tiens. Bon, t'es. mais c'est sérieux quand tu nous parles là ou pas, frérot, là? Mais bien sûr, je suis sérieux, pourquoi tu veux que je te demande? C'est pas que ça. En 3 ans, t'as pas demandé la main avant, frérot? Non, j'ai deux. On s'est rencontrés, au bout de 2 ans, j'ai demandé la main officiellement. Ses parents étaient au courant. Au bout de 2 ans, on a demandé la main officiellement. Et à la 3e année, 1 an après la demande de main et le fiançailles, elle a rompu. Pourquoi? Mais je te dis, je te l'ai dit, les raisons. Parce qu'elle pensait que t'avais pas les épaules. Exactement. Et elle a mis 3 ans pour voir que t'avais pas les épaules. Mais va lui poser la question. Tu me prends pour un con, toi? Mais non, je te dis que non. C'est la vérité. C'est pour que tu te demandes. C'est quoi ce délire? J'arrive pas à comprendre, moi. Voilà. Et aujourd'hui, t'as un chagrin d'amour, frérot? Comment? T'as un chagrin d'amour? Ben oui, parce qu'après, quand tu fais le fier et tout, que c'était fini, tout ça et tout, ben... Mais tu fais le fier, mais il y a... Mais elle t'a dit, t'as pas les épaules, tu veux faire le fier à quelle heure? Je comprends pas, moi, je... Comment l'autre, il me parle de fierté, elle lui dit, t'as un tahan, et lui, il me dit... Ouais, par fierté, je voulais pas... Mais c'est elle qui t'attège, frère. C'est elle qui t'a mis à la porte. Wallahi mouchraj. Mais bon... Casse-toi. Il m'a pris la tête, celui-là. Attends. Voilà. N'importe quoi. On veut parler des effets secondaires du chagrin d'amour, de vos histoires de hobe, on s'en bat les glanches. On veut savoir qu'il y a un avant, un après. C'est ça qu'on veut faire dans cette radio. Qu'est-ce qu'on a rien à foutre de vos histoires, là? Histoire de merde. Allô? Allô? Salam. Ouais, Salam, ça va? Et toi? Ouais, c'est bon, c'est là. Dis-moi. Ah, c'est pour parler du chagrin d'amour. T'es en plein dedans, toi, non? Non, non. D'accord. Vas-y, frérot, je t'écoute. Je me dis que c'est quelque chose d'inventé, je pense, le chagrin d'amour. Inventé? C'est comme les pervers narcissiques. Le chagrin d'amour, c'est quelque chose qui est inventé? Bah ouais. Ah ouais? Je sais pas d'où t'es, ou si t'es un fake ou pas, mais sache qu'il y a des... Il y a des gens, ils sont morts par chagrin d'amour. Moi, dans mon quartier, je connais une maman et un papa, wallah el azim, la maman, elle est morte 6 mois plus tard, elle se nourrissait plus. Chagrin d'amour, ouais. Tu vois, elle est morte. Ouais. Donc j'ai envie de te pour dire, toi parents. Qui as inventé... Ouais. Pour les parents, je pense... Quoi? Allô? Ouais. Allô? Les gars, wallah, qu'il y a de la charlotte en bas. Je vous avertis tout de suite. Fais dodo. Allô? Ouais. Ouais. Allô? Ouais. Allô? Salam. Ouais, je bosse, salam. Ça va et toi? Ouais, je coupe mon live. Salam alaikum, Bassem, comment ça se passe? Salam, alhamdoulilah, et toi, ça va? Ça va, tranquille. Oh, beaucoup de fatigué, hein, beaucoup de fatigué. Mais bon, 1000 choses en fait dans la tête, tu vois, à discuter avec toi. Mais là, si tu veux parler du gars qui a appelé juste avant tout à l'heure, là, qui s'est marié dans ton bled, là. Ouais, dis-moi. Ouais, ben lui, en fait, sa meuf, pourquoi elle est partie? Tu lui demandais pourquoi? Ben, à mon avis, elle a trouvé un gars qui l'a piné. Hein. C'est incroyable, ça. Comment le gars, il reste 3 ans? C'est quoi ces yeux? Non, mais pourquoi voir tout de suite ce raccourci, là?
Est-ce que les femmes n'ont pas le droit de fuir des mecs qui en valent pas la peine? Faut arrêter un moment. J'ai envie de te dire, alors ouais, c'est vrai que c'est suspect qu'elle est restée. T'aurais dû lui demander pourquoi il a fait la démarche de lui demander sa main, de mouiller ses parents. Ouais, tout en sachant qu'il n'avait pas les épaules, c'est ça? Voilà, voilà, voilà. Et d'abord une situation, et après chercher une meuf. Mais non, je comprends pas. Mais les gars, ils sont plus logiques. Il n'y a plus rien à comprendre, tu sais pas. Ils connaissent rien de la chose. Ils veulent demander la main d'une nana pour faire les choses dans les règles, dans quelles règles? Tu nous appelles de l'Est de la France? Ouais, c'est ça. Comment tu sais? Guten Tag, ah, Dr. Müller. Ah, voilà. Guten Tag. Yeah. Bon, très bien. Allez, franchement, entre nous, toi, t'as vécu un chagrin d'amour? Ouais, j'ai vécu un chagrin d'amour. Voilà, ouais, lui, c'est lui, lui, là, il est très énergie douce, lui. Tu as une veste Rivaldi? Non. Pardon? Moi, une veste Rivaldi? Non. Non, t'en as pas. Non. Tu mets des frigos. Non, alors, il s'est passé quoi? T'as eu un chagrin. Comment tu l'as surmonté, frérot, toi? C'est le temps. Le temps. Ah, c'est le temps. Tu te reconnais pas. Tu te reconnais pas. C'est le temps. Quand ça s'est passé, il y avait une fille aussi. Il y avait un enfant. Elle était bébé. Genre 2 ans et demi, elle avait la gamine. 2 ans et demi. Et la meuf, voilà, ça allait plus. On faisait plus rien. La routine, tatati tatata. Et à un moment, moi, franchement, je vais te dire, je l'aurais jamais mis dehors ou je me serais jamais ou j'aurais jamais arrêté la relation. Le truc, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a fait. C'est elle. Le jour où elle m'a dit, ouais, elle en a marre, elle veut arrêter. Là, voilà. Tu m'as dit qu'il y a que des fatigués. Bon, c'est vrai que tu as raison. Mais on le voit. Mais toi, par exemple, tu as fauté où? Là où j'ai fauté. Mais c'est la routine. C'est la routine. J'allais au travail, je rentrais, je fumais mon sbar, je regardais mes vidéos. Tu fumais. Demain, pareil. Donc, tu fumais le matin, c'est ça? Oh non, pas le matin. Non. Si, tu viens de me dire ça. Rentre. Ah, tu fumais sur le toit? Faut qu'on le start. Ouais, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Frérot, de quelle origine t'es? Ah, Maroc. Toi, t'es marocain, toi? Ouais, ouais. D'accord. Alors, quand tu dis la routine, c'est normal, une vie, aller travailler, rentrer à la maison, je comprends pas, moi, c'est... Comment est-ce qu'une routine, elle peut vous tuer? Mais parce que, regarde, genre, la semaine, le taf, et le week-end, chacun, on rentrait voir nos parents, tu vois. Parce qu'on, tu vois, pour le taf, on a dû bouger. Et ça, tu vois, les week-ends, au lieu de laisser la gamine une fois aux grands-parents et de nous deux tailler, faire un truc, tu vois, pour nous. Ouais, ouais. Eh ben, non, on avait... Ouais. Voilà, après, voilà. Après, alors, c'est simple. On dort même plus ensemble. C'est simple. Ouais, ouais. Ouais, c'est simple. Moi, elle je pense fait, que. La vérité, elle a bien fait. Parce que c'était une erreur de jeunesse, gros. C'était une erreur de jeunesse, la vérité. C'était à la base. On s'est rencontrés gamins. Et après, moi, je suis allé taffer sur Paname. Et ça m'arrangeait. Elle voulait tailler de ses parents. Elle est venue vivre avec moi à Paname. Elle a fait sa formation. Moi, je travaillais. Et voilà, on s'est mis ensemble. On s'est dit. De quelle origine elle est? De quelle origine elle est? C'est une Gavria. D'accord, une Française, c'est ça. Hein, ok. Ouais. Donc, la routine. Attends. Tiens, encore à la rigueur, se faire jeter par une femme de chez toi, bon, au moins on aura combattu. Mais, ouais. J'aimerais m'adresser à la room un peu. Ouais. C'est pas qu'est-ce qui t'arrive? On choisit pas, je crois. On choisit pas, c'est vrai. Si, on choisit absolument. Après, j'ai envie de dire, tu vois, il y a plein de choses du quotidien où j'ai envie de donner un vrai conseil aux frères sur la vie de ma mère. Quand vous avez des femmes, faites attention, c'est comme les enfants, entre guillemets. Quand je te dis c'est comme les enfants, vous allez comprendre ce que je veux dire. Faites attention à ce qu'elles écoutent. Faites attention à ce qu'elle regarde. Parce que la routine qu'elle va plus supporter va arriver à partir de là. Si t'as une crasse, tu rentres à la maison, tout est prêt, même si elle t'a fait à manger, elle est devant la télé-réalité, il y a un blême, frérot. Faut vite que tu résorbes ça. Parce que c'est la télé-réalité qui va lui faire acheter un maillot de bain qu'elle a vu dans la crasse de cette télé-réalité. Elle va commencer à être branchée. Tout se suit. Une femme, faut voir si elle lit.
Il faut voir ce qu'elle a vu comme film, ce qu'elle regarde, ses applications de partout sur tes... Il y a plein de signes qui te disent que il faut faire attention. Il y a des mecs qui laissent leurs femmes regarder ces émissions-là. C'est très, très grave. Très, très Bassem, grave. Ouais. tu sais beaucoup de choses et voilà, ça fait très plaisir de t'écouter. Voilà, à chaque fois que je vois ton direct, on écoute et on partage beaucoup de choses et tu dis tout fort ce que beaucoup pensent tout bas, surtout par rapport à la situation des rebeux ou dans le milieu professionnel et autres. Je te rejoins à 200% là-dessus et voilà, moi je vais laisser mon tour au suivant et la classe Merci d'avoir beaucoup. échangé un peu avec Merci toi. d'être passé, frérot. T'es un bon. Merci beaucoup. Merci. Miskine, il n'allait pas. Allô? Oui, allô, bonjour. Assalamu alaikum, Bassem. Allô? Ouais, allô, salam. Ouais, frérot. Ouais, je voulais te... Excuse-moi, ça m'a pris par surprise. Ouais, je voulais t'appeler par rapport au sujet du jour. Et Ouais. je voulais te dire, en fait, pour moi, je pense, à mon avis, c'est très important que chaque homme connaisse et vive le chagrin d'amour au moins une fois dans sa vie. Et le mieux, le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que je pense que c'est très, très formateur. Très formateur et t'apprends beaucoup de choses. Par exemple, pour mon cas, c'est... Moi, Oui, c'est ce que dis-moi. j'ai. C'est vrai, c'est ce que. Moi, c'est ce que je disais, je le voyais comme ça. Alors, juste avant de te laisser parler, parce que. Bah, dis-moi. Bien. Alors, tu t'es marié avec, tu t'es marié avec une Française, qui c'est à moi? Alors, déjà, Ouais. si le cas serait arrivé, j'en aurais jamais eu honte. Mais Ouais. tu as entendu ça sur les réseaux? Ah, tu t'as entendu ça au même endroit où on te dit que je nique des femmes blacks? Bon, allez, aucun problème. Allez, bref. Vas-y frérot. Donc toi, il a été formateur par rapport à quoi? Et est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu l'as vécu, c'est-à-dire tu en as souffert? Ah mais frérot, je vais te raconter un peu l'histoire assez rapidement, tu vas rigoler. En fait, c'est simple. Moi, je venais de rentrer au lycée, j'étais en seconde première. Et à cette époque-là, j'étais encore jeune, j'avais 16 ans, 17 ans, et j'ai été matrixé par les films. Tu sais, moi j'ai 30 ans, ok? C'était à l'époque, c'était en 2009-2010, ok? Et genre, j'étais matrixé par tous les films qu'on voyait un peu, tu sais, en mode romantique et tout. La douille qui te met dans le cerveau que pour que la meuf elle te kiffe, il faut que tu sois un mec magnifique, super attentionné, etc. Et que tu sois au petit soin avec elle. Ce qui est pas faux Alors, pour quand c'est ta femme, en réalité. Mais avec un comportement à avoir aussi. En parallèle. Mais ça, eh ben on va plus tard. voilà! Bouge Oui, pas! t'inquiète pas, j'en viens, Voilà! j'en viens, Voilà! Attends, je vais t'inquiète. chercher un café, Franjo. Toi, t'es un Vas-y. bon, t'as compris que les films, au lieu de nous rendre service, ils nous mettent dedans. Parce que dans le Exactement. film, que ces meufs, elles regardent, le mec attentionné, lui fait pas le même effet que celui qui coupe la Exactement. verdure, qui est en face avec un Exactement. gros bras et une tronçonneuse. Bande de pute! Attends. Alors, je vais me faire un caf, je vais me faire un frérot. Vas-y. Dis-moi ce que t'as envie de boire, frérot. Ce que t'as envie de boire, Non, toi, t'inquiète, j'ai un frérot. Javelot Juste un petit rouge. kahwa. Un petit Un petit kahwa, ça va, kahwa, frérot. vas-y, je Un t'amène petit un kahwa. kahwa, Franjo. Vas-y, c'est bon. Avec Attends. deux sucres, hein, très deux sucres Ouais, obligatoires, deux sinon c'est pas la sucres. peine. Tu connais? Vas-y, c'est bon, je te ramène. Vas-y. Je te ramène. Un verre Vas-y. d'eau avec, frérot. Un verre d'eau frais. Non, vas-y. Kahwa, c'est tout, frère, t'inquiète. Kahwa, vas-y, aucun problème. Kahwa, Attends, frérot. frérot, je vais arriver. Vas-y. Mais c'est bon, ça faut leur expliquer à ces merdeux. Alors voilà, je vais te dire. Alors frérot, vas-y, je t'écoute. En avant. Bon frérot, je t'explique un peu l'histoire parce que c'est un peu marrant, tu vois. Écoute, en gros, Ouais. je venais d'arriver au lycée et tout, et j'étais Ouais. matrixé par tout ce qui est série et tout, etc. Avec les cousins, etc. On parlait que ça des meufs et tout, etc. Bon, on était petits. Et j'arrive et tout au lycée. Et bref, moi à l'époque, j'étais en kiff sur les Asiates. Ok? Je ne me demande pas pourquoi, comment ça se fait, etc. C'est comme ça. Ok? Et j'arrive, tu vois, au lycée. Et à cette époque-là, comme par hasard. Je remarque une meuf et pour moi elle était magnifique. Elle était vraiment comme la meuf que je voulais. Elle était asiate, cheveux noirs, incroyable, tu vois. Et c'était à l'époque où nous on était un peu genre des rebeux, etc. C'était un peu le quartier, etc. Et elle était Arrête dans de un autre pays, mentir! rien à voir. C'était Roméo Must Die! Non, C'est ça, ouais! C'était la non, mode pas du d'être tout, avec non, une non, pas du tout. Asiatique! Bah Sale con! Ouais, vas-y! Non, mais les Asiatiques, attention! Il y en a! bien sûr, non, c'est magnifique. Pousse-toi! Il y en a! Non, il y en a! Non, mais il y en a! Pousse-toi devant! Après, quand je te dis pousse-toi devant, c'est-à-dire. Moi, je parle pas de celle de Fast and Furious! Je m'en bats les couilles, modèle! Moi, je parle celle du Laos, du Cambodge, Ouais, du. Voilà, c'est. en fait, c'était Voilà, un mélange de je l'ai c'est un vu mélange de sauver ici. Vietnam
et d'une autre nationalité, tu vois. En fait, les plus beaux mélanges asiatiques, moi, en fait, les plus belles asiatiques, c'est quand il y a un mélange. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est vrai. Sauf que il y a des, il y a des Asiates, par exemple, les Chinoises de la République de Chine. Ouais. Ah, ouais, c'est... Elles sont dégueulasses, quoi. Enfin, ouais, ouais. Enfin, elles ont toutes pris un bus en face dès qu'elles sont nées. On va pas trop dénigrer les frères chinois, tu vois. Mais, non, wallah, je dénigre pas, mais moi je parle de moi. C'est... Ouais. Moi j'ai l'impression que les filles de Chine, dès qu'elles sont nées, leur mère, elle les a pris, elles ont fait comme Simba dans le Roi Lion. C'est l'histoire de la vie. Elles l'ont tiré comme ça, il y a un bus qui est venu. Bah, je sais pas. Ah, ouais, bref, donc, il s'est passé quoi après? Ouais, bref, en gros, tu connais ces genres à l'époque où t'es encore jeune, où tu connais pas trop les codes de la séduction, mais t'arrives à gérer, mais sans trop savoir comment t'as fait. Tu connais un peu l'ambiance, tu vois. Ouais, et en ouais. gros. Je sais pas comment j'ai fait. Pour moi, c'était impossible, tu vois, de la série, c'était impossible. Et les événements, ils ont fait qu'en fait, il y a eu l'événement qui a fait que j'ai réussi à, entre guillemets, à la gérer, tu vois. Et j'ai, mec, je suis rentré dans l'une de la meilleure époque de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que je rêvais depuis que j'étais tout petit, tu vois, ça s'est réalisé. Et c'était un truc de fou. J'ai vécu 3 mois de dingue, tu vois. Mais aïe, le problème, aïe, c'est quoi aïe, aïe. La douille, elle est là. C'est vu que t'as été formaté par les séries et les films qui nous ont douillé quand on était petit, t'avais pas le comportement. Trois mois intensifs. Alors attends, c'est la fin de ma vie. Attends, j'ai coupé le son, excuse-moi. Alors, ouais. Qu'est-ce qui a fait? Donc, tu l'as géré lors de la soirée, et de là, Et de là, il y a une romance, c'est-à-dire vous vous entendiez super bien. Donc, toi, t'avais pas anticipé le fait qu'elle te prenait pour un con, en fait, hein, c'est ça? Non, elle m'a pas du tout pris pour un con, pas du tout. C'est pas ça, c'est qu'en fait, l'erreur venait entièrement de moi. Elle, c'était une meuf qui avait déjà de l'expérience. Bon, bref, sans rentrer dans les détails, c'était une meuf qui venait de l'étranger déjà. Elle était, genre, entre guillemets, aux États-Unis et elle était venue en France, tu vois. Donc, elle avait un passé, etc. Elle était déjà sortie avec des mecs, etc. Elle avait... C'est pour ça, c'est très important. Pour les gens qui nous écoutent, etc., même pour les jeunes, bon, on parle pas aujourd'hui de religion, etc., on parle de juste ça, tu vois. Dans la mesure du possible, sans faire trop de dingueries, bien sûr, en restant droit, d'avoir de l'expérience en étant jeune avec les meufs pour que... C'est comment une relation avec une Asiate? Moi, j'ai entendu, ouais. Moi, j'ai entendu que les Asiates sont très, très vénales. Sont des femmes très vénales parce qu'elles te demandent de l'argent pour leur grand-mère qui parie tout à Miri Beljonage. Non, mange des jaunes d'œufs à 1 €. Voilà, j'ai travaillé avec eux. Moi, il m'a grillé. Un mec, il avait la mort que sa nièce. Et ben, une Laotienne, elle me ramenait au travail. Voilà, il avait la haine. On dirait le mec dans Bloodsport. Ok, USA. Il avait une nuque longue. Un jour, il m'a grillé. Je l'ai vu, souvenir ici. Lui, boire, fumer. Lui, pas travailler. Lui, racaille. Ouais, alors, elles sont vénales. Alors, il s'est passé quoi pendant 3 mois? Tu as vécu une... Voilà, en fait, bon, juste pour en finir avec ça, pour tout ce qui est vénal, parce que toi, tu parles, pense d'une relation où t'es déjà un peu adulte, etc., où la meuf, elle veut que tu lui payes des choses. Non, en fait, nous, on était encore petits, tu vois, on était 16-17 ans, c'était encore le lycée, tu vois, il n'y avait pas encore le délire de « oui, tu me payes des restos », il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, tu vois, on était encore petits, tu vois, on était genre au lycée. Et bref, sans entrer trop dans... c'était une famille normale, bien, et même, ils avaient... Généralement, les filles asiatiques, entre guillemets, trêve de plaisanterie, c'est des filles... Ouais. Très gentille et très respectueuse. Wallah, frère. C'est ça, exactement. Et même dans leur famille, ce qui m'avait choqué, c'était... Il y avait des petites similitudes avec les Rebeux au point de vue de l'éducation. C'est-à-dire, elle avait beaucoup peur de son père. Il y avait un grand respect avec ses parents, etc., etc. C'était pas genre la meuf, elle rentre à la maison, elle jette son cartable, elle se met devant la télé, genre les pieds en l'air, qui puent, là. Non, pas du tout. C'était en gros, la meuf, elle venait très respectable, comme nous un peu, les Rebeux, tu vois. Enfin, ouais, tu vois, en gros, nous les Robeux, ouais, ça c'était avant. Les Japonais, voilà. Comme ils respectent, tu vois, la place de l'homme au Japon. Bien sûr. Non, elles sont respectueuses. Non. En fait, c'était une fille très gentille, mais c'était un peu une femme fatale, du coup, dans le sens où elle maîtrisait, comment j'ai envie de dire, elle maîtrisait la séduction. C'est-à-dire, elle savait le comportement à avoir avec le mec pour que le mec il kiffe de ouf, tu vois. C'est-à-dire, elle était.
Bon, elle était très très Mais jolie. elle est plate, Elle comment était tu très veux qu'elle jolie. kiffe? Faut qu'elle nous fasse Non, mais en kiffer. fait, oui, mais en fait, regarde, je veux dire un truc. Quand t'es jeune, enfin, moi, quand t'es jeune, quand t'as 16-17 ans, t'es pas trop, enfin, t'es plus dans le délire beauté que dans le délire physique. Ouais, t'es plus Ça, t'es un... d'accord. Bouge pas, Tu vois le délire ou frérot. pas? Bouge pas. Je me rappelle qu'à 17 ans, écoute avec moi, à 17 ans, t'étais plus dans le délire. Just a touch. Smallville, tout ça. C'était Ah les là séries, là bah, en là fait, c'était les séries, genre comme Smallville, tout ça. C'était pas. là. On Ouais, était dans c'était un bon. délire où c'était plus la beauté du visage, en gros, qui importait. C'était pas. On n'avait pas encore 30 ans. C'était pas trop le physique, tu vois. Et Ouais, bon, c'est quand vrai, t'es au c'est lycée vrai. en seconde, voilà, t'es plus. En fait, t'es plus attiré par C'était, le délire c'était. de la meuf que Oui, par son physique, tu exact. vois. Non, non, non. Si tu veux. Exactement. T'es plus attiré par le délire. Le fait est que t'as même des copains, ils sont en couple. Toi-même, t'es avec elle. Oui, je vois. Voilà, tu Je vois, l'ai c'est un délire, vécu. c'est un Je délire. l'ai vécu. Je l'ai vécu. Bien Voilà, sûr que je l'ai c'est un vécu. délire. Ouais. Et voilà, et ce que je te disais, tu vois, en gros, voilà, je vais juste faire bref, je vais juste mettre, parler de autre chose qui a un truc à voir, mais en gros, ce que je veux dire par rapport à cette histoire, c'est très important, en fait, de comprendre la psychologie féminine et comment les femmes, en fait, comment le co juste un truc, par exemple, voilà, un exemple. Quand tu vas demander à une fille, toi, t'es attiré par quel genre de mec? La femme, elle va automatiquement te dire, moi, j'aimerais bien que le mec ce soit un mec gentil. Le mec, j'aimerais bien que ce soit un mec attentionné, un mec sérieux, un mec musclé, mais pas trop. Bon bref, tu connais, un mec attentionné, un mec responsable, etc. Et nous, comme des hamars, c'est qu'on croit que c'est vraiment ça. Mais le problème, c'est qu'elles te disent ça, c'est vrai d'un côté. Mais ce qu'elles te disent pas, ce qu'elles oublient de dire, parce que c'est inconscient chez elles, c'est que ce mec gentil, ce mec attentionné, ce mec qui sont avec elle, il Elles faut vont le que à la larguer. base, il faut que Elles à vont le la larguer. base, ouais, non, il faut que, en fait, avant tout ça, il faut que à la base, ça soit un mec, ça soit un vrai Rajel, tu vois, ça soit un mec qui s'en bat les couilles. C'est-à-dire, en gros, il a sa vision, il a sa trajectoire, il sait ce qu'il veut dans la vie, genre, il lui donne presque pas l'heure, tu vois. Et il faut que ça soit elle qui court derrière lui. C'est-à-dire, le mec, il est là, il a sa vie, il Alors, a ses non, non, trucs. non. Alors, là, wallah, c'est hyper intéressant. Sauf que je vois exactement où tu veux en venir. C'est pour ça que moi, je l'ai dit, qu'est-ce que c'est le fait d'aimer? Aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. J'aime. Je C'est t'aime. du Alors, en attends, fait. frérot. Je Ouais. t'aime. Ça veut rien dire. Pour moi, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est là, c'est le jeu. Ouais, dis-moi. Voilà. Tiens, pour moi, il n'y a que des preuves d'amour. Et puis. Ce que je veux dire là, ce que tu viens de dire qui est hyper intéressant, c'est fuis-moi, je te Je te suis, suis. Voilà, suis-moi, je te fuis. voilà. Ça, Exactement. arriver à un âge, c'est n'importe quoi. Mais, C'est n'importe quoi. pour la formation, pour les petits, il faut qu'ils passent par là. Sauf que, C'est très important, ouais. on arrive à cette finalité-là si on s'aime comme tout le monde. Mais si on s'aime pas comme tout le monde, c'est-à-dire chacun, chaque chose est à sa place. C'est ça. Ce Mais de toute façon, frérot, je vais te dire un truc. pouvoir, excuse-moi frérot, Ouais. pouvoir se passer de l'un et de l'autre sous le même toit. Ouais. C'est Après, regarde, en fait, ça voilà, le en fait, toi, truc. tu parles de tout ce qui est amour. En fait, je veux dire un C'est la truc, hein. clé. À cet âge-là, là, dans l'histoire, on pensait que c'était de l'amour, mais avec le recul, c'était pas de l'amour. En fait, on s'est trompé sur le terme. C'est pas de l'amour, c'est du kiff. Moi, j'appelle ça du kiff. Du En fait, kiff. c'est parce que tu kiffes une situation, tu kiffes un idéal et tu kiffes une vision rêvée de la meuf que tu voulais. Bon, en fait, parce que ça n'a aucun sens, parce que, comme on dit, les hommes, hein, ils disent les hommes, ils tombent amoureux au premier regard. C'est n'importe quoi, en fait, tu tombes pas amoureux. En fait, t'es en train de kiffer un idéal et genre une Non, représentation tu imaginaire qui tombes en pas vrai, elle... amoureux. Voilà, Elle c'est est pas vrai. bonne. Elle est Voilà, bonne. elle est Tu fraîche tombes. et elle, en fait, Tu. elle représente un idéal que tu t'es mis dans la tête depuis que t'es Tu. jeune, Mais par exemple. Ouais, frérot, attends, elle ouais, je vais est. dire un truc. Attends, je vais dire un truc. Même, j'en parle souvent avec mon frère, tout ça et tout. Pourquoi certaines personnes, ils sont attirées automatiquement par certains types de filles? Même genre à 30 ans et tout. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est dans leur enfance, par exemple, moi j'ai mon frère, en fait, il avait toujours été attiré par un type de fille, genre un peu européenne, bronzée, etc., en mode un peu, pas bourgeoise, entre guillemets, mais genre dans le délire un peu, bref, tu vois ce que je veux dire. Et en fait,
avec le temps et l'expérience et tout, je te raconterai après, on a compris qu'en fait, c'était lié à l'enfance. Et en fait, que même dans la cour d'école, genre de la primaire, il avait kiffé un truc de ouf sur une meuf qui était comme ça. Ce qui fait que tout au long de sa vie, inconsciemment, il a recherché ce type de femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il a été marqué durant son enfance. Et comme moi, à la base, j'ai fait les genres, tout ce qui est asiatique, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais dans un délire où je recherchais inconsciemment une meuf comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin, bref. Si je peux en placer une, frérot, enfin, c'est Oui, bien, dis-moi. on échange. Bien sûr, dis-moi. Moi, si j'ai un conseil à donner, méfiez-vous de toutes ces femmes qui te disent, j'aimerais bien que le mec soit comme ça, comme ça, comme ça. Parce que si t'es comme ça, comme ça, comme ça, crois-moi que t'as signé ton arrêt de mort. À partir du moment où tu es comme elle veut, c'est là où t'es mort. Une femme a besoin des fois d'avoir un enfant, d'avoir un mec, un enfant, un mec qui lui emmène du tracas. Alors, bien sûr, je parle pas des hijbés du lycée de merde qui se mettent en couple avec le frère Samos qui fait des levées sans casque, elle fait des douas pour pas qu'il se fait péter dans un go fast. Non, je parle pas de ça, mais des tracas au quotidien. Les femmes ont besoin qu'on soit un petit peu qu'on est surveillé un peu comme le lait sur le feu. Elles aiment pas le truc platonique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une Bien femme, sûr. alors je vais te dire. Alors, si t'arrives à récupérer une femme que t'as blessée dans le cœur, si t'arrives à la récupérer et c'était ton but, tu as tout gagné. Parce que toi, tu l'aimeras. Peut-être plus qu'avant, si tu l'as pas aimé avant. Bon, là, tu commenceras à l'aimer pour de vrai, et elle, t'es sûr qu'elle est là. C'est vrai. C'est là, je te jure que c'est vrai. C'est dans des champs de ruines que naissent les plus belles plantes. C'est Parce que vrai. cette fois-ci, tu sais comment l'arroser, tu sais comment l'entretenir, tu sais comment faut l'attirer, parce que l'expérience. Wallah, je suis C'est là où je veux véridique. en venir, c'est ça. Voilà. Ouais, frère, donc. C'est là où je voulais en venir. Voilà, et en gros, en fait, voilà, pour pas qu'on s'éloigne trop du sujet, parce que j'étais parti un peu loin. En gros, le délire pour moi, voilà, quand je t'ai dit que c'est très important qu'un homme il connaisse, en fait, un chagrin d'amour, moi, je parle du chagrin d'amour où c'est pas où toi, t'es là, tu viens, t'as fait le bâtard, etc. C'est elle qui t'a quitté, il soit passé, etc. Tu vas analyser pourquoi t'as kiffé et pourquoi elle t'a quitté et pourquoi t'as pété un câble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire que tu vas comprendre les mécanismes entre guillemets de la séduction. Parce qu'en vrai, tout en revient à là. Parce qu'elle savait comment faire avec toi. C'est-à-dire, elle savait comment te rendre entre guillemets amoureux. Elle savait comment te faire kiffer. Et toi, en fait, tu savais pas à la base. Parce que tu étais jeune et tu étais petit. Et c'est important de passer par là jeune pour que quand tu arrives à un âge où là, il faut faire les vraies choses, où tu as 30 ans, faut te marier et tout, c'est pas à 30 ans. Que tu trouves ta vraie femme, Attends, etc. répète, Que tu connais excuse-moi, ces tu m'as dit, mécanismes. c'est pas à 30 ans que t'auras le chagrin d'amour? En gros, en fait, ceux Le qui n'ont chagrin rien connu. d'amour ne sera pas le même. À 30 ans, à Voilà, il est 40 ans, différent. à Il est 30 beaucoup ans, à plus dur. 40 ans, il est peut-être suicidaire. Exactement. Eh ouais. Exactement. C'est ça. Parce que même quand tu le vis en tant que jeune, et même si c'est très dur, hein, parce qu'il faut l'avouer, il faut pas avoir honte de le dire. Hein. Il y en a, il dit ouais, t'inquiète tout, mais en vrai, il pleurait derrière. Comment ça Mon s'appelle quand il est frère, rentré chez eux? ton discours depuis le début, il tient la route. Je te jure qu'il tient la route. Mais pour les adolescents. Voilà, ouais, exactement. Voilà, Pour les moi là, je ados. te parlais de. Voilà, Moi, j'ai voilà, besoin je te parlais du côté d'amour. adolescent. Rien à Voilà, foutre, moi, enfin, j'ai envie il de faut dire. passer par là au Faut début. passer Et par là, comme tu l'as dit, je faut suis tout à passer fait par d'accord là. avec toi, qu'à partir d'un moment, à 30, 40 ans, après, tu réfléchis plus pareil. Après, tu penses stratégique. Parce qu'à 40 En ans, tu vas pas parlant chercher l'amour. de stratégie, quand j'étais au camping à 17 piges, quand une femme, pendant l'après-midi à la piscine, elle faisait la belle et tout, Zama et tout, on était séparés, le soir même, t'en serrais une autre, elle avait la mort, elle revenait vers toi. Exactement, Aïe, voilà. aïe, aïe, C'est aïe, aïe. Pas la masse, comme les flots. c'est Frérot, important de est-ce passer que par là tu. pour connaître les Est-ce, stratagèmes, tu comprends, et Guillaume? oui. Ben oui, Et parce comme ça, qu'après, tu peux. ││ װ     ```││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 
tu peux te faire avoir. C'est ça le voilà, problème, c'est qu'il y en a trop. À 40 exactement. Piges, ils sont à voir. Ils sont à exactement. Voir à 40 piges, c'est grave. Il faut te faire avoir à 17 piges. C'est pas grave, après t'en rigoles. Mais si tu te fais avoir à 40 piges et que t'as deux gosses sur les bras et tu te fais avoir, c'est chaud. C'est pas la même, c'est ouais, pas le même délire. Écoute, tu vois, frère, ce que je veux dire. C'est vrai que si t'as un chagrin... À 40 ans, imagine-toi, du jour au lendemain, elle claque la porte, tu rentres à la maison, t'as un papier de divorce sur la table. J'ai envie de te dire, oh là là, boîte noire. Boîte noire, bien sûr. Boîte noire. Bien entendu. Black box. Je vous le dis, les mecs, boîte noire dans la tête. Boîte noire, anticipation. Boîte noire, plein de choses. Allez, frérot, la boîte noire, comme ça, le jour où t'as vraiment un chagrin d'amour, t'appelles ton pote, tu montes dans une voiture, tu roules. C'est dans le désert. C'est comme un bateau qui brille, brûlant à mar. Un chagrin d'amour, c'est comme. Exactement, frérot. Non, c'est très intéressant. Pour finir, pour ne pas trop monopoliser la radio, voilà, c'est ce que je voulais dire. En gros, voilà, c'est important quand même de vivre un chagrin d'amour. C'est comme une grève de Didier Bourdon, il est trop fort. Didier Bourdon, bah ouais, frérot. Il est trop fort, Didier Bourdon. C'est un crack. C'est un crack. Ouais. Et puis toi, frérot, vu que tu m'as l'air très sentimental, un chagrin d'amour et tout, frérot. Quand tu te retrouvais avec elle, vous mettiez quoi comme musique? Vous mettiez de la K-pop? Ah, hein, frérot, moi je mettais. Non, la vérité, hein. Moi je mettais du Oxmo Puccino. Tu mettais du Oxmo? Ouais, Oxmo. Frérot, Oxmo pour moi, écoute, hein. Oxmo pour moi, il a fait la pire musique à écouter quand t'es jeune et que t'as un chagrin d'amour. Est-ce que tu sais c'est laquelle? Ça s'appelle... Pourtant, je connais Oxmo. Écoute, frérot, ça s'appelle... Obligé, tu la connais. Ça s'appelle Oxmo, ça s'appelle Le jour où tu partiras. Ouais, je l'ai entendu. N'écoutez jamais cette musique si vous êtes dans... Oxmo, il est violent. Oxmo, il est très violent. Oxmo, il est monté sur les planches. Il fait du théâtre pour de vrai. Non, moi, je pense que dans la relation, il y a... Une musique correspond à tout. Au début, t'es là, bon, vous regardez un film, vous mettez un petit fond de musique. Il y a une musique de préparation. La musique de préparation, c'est... Tu commences plus à HM, t'es en calbar, normal, t'es en train de dire l'équipe, elle est à côté et tout. Et tu lances les hostilités, tu vois? Tu lances les hostilités. Tiens, tu mets du Kev Suite pour réchauffer l'ambiance. Tiens, pour lui dire ce qui lui attend, tu vois. Toujours du Kev Suite, tu vois. Une ambiance feutrée, tu vois, c'est très important, frérot. Ah ouais, tu vois. Allô. Et après... Ça va pas très bien, ça a coupé, là. Ah ouais. Allô. Ouais, c'est bon, là. Je suis pas sur le bon écran, ouais, excuse-moi. Excusez-moi, les gars. Ouais. Dance to the life. Ah ouais, ouais, mais c'est important, tu lui parles allemand. Moi, bientôt, il y a Walter. Inch'Allah, on dit Inch'Allah. Walter, mon Doberman, il va bientôt arriver. Par contre, je suis très sérieux, les frères, là. Là, je m'adresse à la room. Je m'adresse à tous les chiens. Bon, on est tous des chiens, sauf qu'il y en a, c'est des chiens apprivoisés, maintenant. J'ai envie de te dire, est-ce que j'élève Walter en allemand? J'y songe, la tête de ma grand-mère. En même temps, je me perfectionne. En même temps, je lui parle en allemand. Vous en pensez quoi? Wallah, vous en pensez quoi? Si je l'élève en allemand, ceux qui ont des chiens, vous en pensez quoi? Dance to the life. Oh là 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 là. C'est la meilleure langue pour les animaux. Je l'élèverai en allemand. Comme ça, moi, je me perfectionne. Je fais un footing avec lui, j'apprends les mots allemands. C'est pas bon, imagine, pour tes proches. Il va s'appeler Walter Breiki. Non, pas Breiki, mais il va s'appeler Walter TH. Je lui ai fait une plaque, là, déjà, là. Wallah l'adim, je vais essayer de voir ça. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Non, pourquoi en tunisien? Frérot, on est crédible, nous. Ijalehne.
Yé Walter! Et Jalerné! C'est un Doberman, c'est pas un Chihuahua! Walter, das ist DJ mon visage! Ya! Oh putain! Petit Kinder! Ya! Yeah. Oh putain, non! Non! Même dans l'intimité, faut parler allemand, donc ça va me servir! Pour les deux choses! Ah, Weiss! Ouais, non, moi je vais lui parler allemand. Je vais lui parler allemand. Ouais, frérot, donc. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir donné ton avis. Wallah, il est très, très important, c'était bon. Avec plaisir. T'es un bon, franchement, et j'ai envie de te dire avec aujourd'hui, plaisir. Tu en parles avec amertume de ce chagrin d'amour. Alors, il t'a formé, frérot? Non. Est-ce que t'es. Non? Non, en fait, si, à l'époque, non. Je vais pas te mentir, à l'époque, c'était chaud parce que. En fait, regarde, je vais te dire pourquoi c'était chaud. Parce que quand t'es petit et tu connais pas encore les codes de la séduction féminine, etc., quand t'arrives à, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un peu vulgaire, mais à choper une meuf et tout, tu sais pas trop comment t'as fait. Donc, pourquoi tu kiffes trop? Parce que tu sais pas comment t'as fait et tu te dis, putain, mais si jamais elle part, comment je vais faire en fait pour retrouver une? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est pour ça que dès qu'on rompt avec ce genre de femme, on essaye toujours de trouver une qui lui ressemble. On a envie de refaire ce qu'il y avait avant. C'est vrai. Et c'est là où on regrette. C'est quand on s'aperçoit de la chance qu'on avait, frérot. Ouais, voilà. non, c'est clair. Non, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on a vu en fait que moi, je vois beaucoup de gens, même de la communauté, etc. Il y en a pas mal qui, en fait, il y en a pas mal qui ratent leur mariage ou qui n'arrivent pas à se marier. En fait, il faut dire la vérité aujourd'hui. Franchement, il faut dire la vérité. Il y en a plein, en fait, qui te disent, vas-y, moi, de toute façon, je m'en bats l'air, hein, frère. Vas-y, tu sais quoi, moi, je trouve une meuf, vas-y. En fait, je vais pas me casser la tête, je trouve une, je la marie en mode, en fait, ils vont pas chercher, ils comprennent pas, en fait, que nous, les hommes, attends, excuse-moi, ouais. Les gars, non, pour ceux qui veulent voir, les gars, donc voilà, le 18 août, il y a la niche à Walter qui arrive, je lui ai pris ça, en XXL, regardez, attendez que le focus, je connais un mec, il avait ça, alors attends que le focus, il se mal à bien, je sais pas pour que vous voyez, voilà, je lui ai pris ça comme maison, je vais la repeindre en gris, je vais lui faire une porte soudée, voilà, tu vois, et... voilà, regarde les gens comme ils appellent. Je lui ai pris ça comme maison. Et en haut, j'aimerais lui mettre une plaque. Avec un petit radiateur, je vais lui mettre du foin. Et je vais le laisser là. Et tout allait bien. Et là, voilà. Il est là, Basmo. Il est là, mais il traîne, Basmo. Yeah. On lui a dit, je l'ai attrapé, je lui ai parlé, je lui ai dit, il y a Walter qui arrive. Chlet ou gilette. Non, Basmo, je pense que j'ai ma nièce, elle a kiffé dessus. Donc dès que Walter il va arriver, je pense que... Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Moi, il me sert à quoi, moi? C'est la tête de ma mère. J'en ai rien à foutre, moi. Il me sert à quoi, chien? Enfin, j'ai envie de te dire. Ouais. Walter. C'est un bon Walter. Ouais, Walter. T'as cru que c'était une chèvre? Non, frérot. C'est ça. Doberman. Écoute, frérot. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Prends soin de toi. T'es un bon. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Ouais, et alors? Des lives avec Walter? Non, dès qu'il sera petit. Oui. Oui, attends. Iron. Putain, Iron. J'avais un Rottweiler. Il chassait les Fiat 500. La tête de ma mère. Vous êtes tous témoins. Iron. Vous vous rappelez quand il s'est blessé la patte, miskin? Iron. Non. Walter. Donc, j'ai envie de dire... Non, mon allemand, il n'est pas encore bon, mais je vais apprendre. J'ai envie de savoir... Est-ce que vous en pensez quoi si je lui parle en allemand? Je lui parle en allemand. Mais, excuse-moi, du foin dans sa niche, et alors? Avec un petit radiateur, il va chauffer. Il rentre pas à la maison. Hein, impossible. Attends, frérot. Le Rot, il a fini à Sifour-les-Plages. Wallah. Il a fini là-bas, à côté d'hier. Miskin. Parle russe et allemand. Ouais, non, mais je... Voilà. Pourquoi pas en italien? Non, l'italien, c'est... Walter, andiamo, andiamo, il va me sortir son zeb, Walter. Non, Walter, svaite. Ah, il va arriver, ouais. Bon, allez, on envoie la mi-temps, les mecs. Putain.
J'ai passé toute la mi-temps à la table 6, Psartkoum. Classe, volupté, Psartkoum. J'étais avec vous. Bien et tout. Tout ce qu'on aime. Bon. Bassem, tu penses quoi de l'Opel Insignia V6 325 chevaux? Mais frérot, Opel, c'est bon, frère. Attends, bouge pas. Non, je prends pas de route. Arrêtez de rager. Alors, bien sûr, mesdames et messieurs, vu qu'il y a Walter qui va arriver, Inch'Allah, nous allons créer la TH Dog. La TH Club. Bon, on est déjà des clubs, mais la TH Dog, des rencontres avec nos chiens. Wallah l'adhim. Un barbug, des rencontres avec les clébards. L'autre, il donne des conseils à l'autre. Ah oui, ça sera ouvert à tout le monde. Il y aura des rassemblements chiens. Pète sa mère. Non ou pas non? Wallah, on loue une petite propriété. On loue une petite maison pour une journée et on ramène les chiens. On ramène les chiens et tout, ils jouent entre eux. Ouais, attendez. Non, ils vont pas se battre si on les maîtrise. Non, on leur met les muselières. Alors, Bassem, t'en penses quoi de ta vidéo où tu lèches les bzaises d'une meuf? J'ai fait comme ton père a fait à ta mère. C'est pour ça que t'es là avec nous aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Je vous invite. Allô? 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 Oui? C'est pour du gaz hilarant? C'est pourquoi? Ah, c'est Bassem? Ah ouais? C'est une dinguerie. Ouais, je t'écoute. Tu voulais nous demander notre avis? Sur quoi? Ouais, bah en fait, je suis avec un mec depuis 4 ans. Ouais. Et j'en ai marre. Voilà. C'est toi qui étais à Marbella? Non, c'est pas toi. Non, j'ai dû confondre. Jamais été à Marbella. Et tu en as marre par rapport à quoi? Bah, tout. En fait, j'en ai marre. Je sais pas, j'ai envie de comment dire? J'ai besoin de nouveau. De nouveau, sale pute. Depuis combien de temps tu es avec lui? Ça fait 4 ans. Et comment ça se fait que tu restes avec lui encore? Bah parce que je t'aime. Non, parce que tu l'aimes ou parce que financièrement il est avec toi ou? Non, financièrement c'est la merde. Il travaille pas. D'accord. Il travaille pas. Il galère, il traîne avec ses potes en bas. D'accord. Et toi, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble? Ouais, depuis que j'ai 16 ans. Tu es tombée enceinte? Non, je crois. Non, je te pose la question comme ça. Non, jamais. D'accord. Aujourd'hui, t'en as marre. Est-ce que t'es capable de lui dire ou tu as peur de sa réaction? Non, il le sait, je lui dis adieu. Il en pense quoi, lui? Bah, il a toujours un truc à dire. Enfin, pour lui, enfin, comment dire? Je crois qu'il s'en fout, en fait. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai à foutre. J'en ai à foutre, moi, il me dit. Voilà. Crasse des fonds de cuve. On a la vie. Vous avez tous la même gueule. Vous allez tous voir les prestataires beauté, bande de schlag que vous. Qahboun que vous êtes, va. J'en ai à foutre, moi. Meurs. Attends. C'est comme dans les Chevaliers d'Or. Meurs, vulgaire insecte. J'en ai à foutre de cette grognasse. Allô, salam frérot. Ah, salam. Ça va, tu vas bien?
Oui, carrément, carrément. Et toi? Allez, on voit la sauce. Il se passe quoi, frérot? Pendant 10 piges, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, parfaitement. Et bah en fait, comment dire, c'est pas tout à fait une peine de bah aussi. Bref, je t'explique. Je suis sorti avec une meuf pendant 5 ans, parfait bonheur, bref, nickel. Elle m'a demandé de la gérer, c'est-à-dire un CDI, appartement, bref. Voilà. Et je me suis bougé mon cul, j'ai trouvé un CDI dans le médical, duplex, bref, j'ai géré. Et bon, on a eu un enfant. Bref. Tu Bon, es là, ça s'est super parisien? bien passé. Non, non, là, je viens de du sud. D'accord. Non. Ok. Et Attends, je vais couper le live parce que je m'entends en double. ouais. Par lui. Ouais. Et bref, et en fait, genre, avant de se J'ai casser, pas en fait. compris, frérot. On a du mal à comprendre quand tu m'as dit, elle t'a demandé de la gérer. C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire de. Ben, comment. En fait, elle est tombée enceinte. Et elle m'a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je fais, bah, tu sais Ah quoi, je vais gérer, je vais tout faire, quoi. Genre, Non, pour moi, bien. c'était normal, quoi. Ouais, Normal. ouais, ouais. Oui. Et bah bref, tout se passait bien et tout, franchement le paradis, même genre je pensais que c'était la bonne hein, réellement, genre c'était bah bref. Voilà, elle m'a demandé arrivé au 6 mois au 6e mois de grossesse, elle m'a demandé est-ce qu'il y a moyen que je vais chez ma mère pour terminer l'accouchement. Je fais pas de souci, je trouve ça bah, logique entre guillemets parce qu'on était deux jeunes, on avait 18 ans quoi. Bref. Attends, excuse-moi. Elle était enceinte et sa mère, elle savait qu'elle était enceinte. Vous avez fait un halal? Non? Il n'y avait pas le temps? Ouais. Non, genre, moi Ouais, je suis genre. marocain, mais elle est française. Ah, d'accord. Et alors, frérot, j'ai envie de te dire. Bon, bref. Bah Alors, oui, vous avez eu un. carrément, Non, non, carrément, mais et alors, frérot, wallah, t'as vraiment. eu un gosse par accident, tu l'assumes. Bon, très bien. Oui, c'est Elle ça. est, par... elle est partie chez sa mère finir sa grossesse. Donc, il s'est passé quoi? Ouais, mais avant de partir chez ta mère, genre, on était en acte, et elle me garde droit dans les yeux, et elle me dit, oui, tu sais, Sofiane, je simule. Elle dit ça Pardon? comme ça. Ouais, ben bah, voilà. Genre, on était en train de le faire. Et la veille de son départ, chez sa mère, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, ouais, Sofiane, je simule. Comme ça, La normal. veille du départ. Ouh là La veille là. du départ chez sa Ça mère. veut Voilà, dire que voilà. chez sa mère, il y avait un Aboubacar qui l'attendait. Non, je rigole. Même pas. Non. Non, je te jure. Non, C'est mais là, terrible. même pas, C'est. parce que elle est. Je te Halafoullah, que tout jure, ce que nous dit est elle m'a vrai. brisé. La tête de ma mère, elle m'a brisé. Genre, moi, dans ma tête, genre, c'était ma première meuf. Genre, franchement, première meuf, bref. Et on s'est éclaté. Franchement, on s'est Attends, éclaté, excuse-moi, il y a genre. Bruce Lee qui me dit il l'a pinée enceinte. Mais quand ta femme. Mais bien sûr, au contraire, Bah oui. c'est Bah là, oui. ça fait du bien à l'enfant, vous êtes con ou quoi? Moi, quand j'ai ramené un sac pour les os, je pensais que c'était des os, hein, des petits os, elle m'a dit non, c'est de l'eau, t'es con! Elle m'a jeté sa claquette à fleurs. Ouais, non, mais elle t'a regardé sans pitié comme ça, elle t'a Oui, dit, c'est ça, Sofiane, c'est je ça. simule. Bon, C'est ça, et c'est quoi? on mettra en titre de l'émission Sofiane, je simule. Putain! Ouais. Ouais, donc. Putain! Non, mais c'est quoi? Mais j'en rigole, mais après, tu vas savoir la suite, mais. Regarde, après là, je vais te faire un résumé, bref. Elle est plus jamais revenue, je sais pas où elle est, avocat de merde, bref. J'ai plus jamais vu cette meuf, ni l'enfant. Voilà. Bref, T'as point. plus jamais vu Et cette meuf là? plus jamais vu cette meuf, plus jamais vu Non, l'enfant, là. moi j'ai du mal à la croire, moi. Ah non, mais c'est vrai, non, mais sans déconner. Là, regarde, bah, bref, non. Bah, comment dire, moi, Bassem, je te suis depuis 2 ans environ. Et franchement, j'adore ton émission, donc je vais pas t'appeler, je vais pas afficher mon numéro, pour de la merde. Non, franchement, je suis très très sérieux. Wallah que c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai. Et en plus, en fait, regarde, là, Non, c'était un ne petit jure peu pas hors Wallah. sujet. Oui, vas-y, désolé. Non, non, Mais non, je veux non, parce que dire. la manière. Ah non, mais c'est la Ton Wallah, vérité, il c'est est la très vérité. arc-en-ciel. Rejure Wallah, frérot. Voilà. Voilà, Bah, tu me prends après, pour un comme je con? t'ai dit, je suis arabe, mais genre, enfin, 06, arabe, quoi. 80. Mais non, Arrête, mais c'est Sofiane. vrai, non, En mais, non, plus, mais je te tu prends un promets. prénom d'emprunt. Mais Je suis non, sûr que tu t'appelles Sofiane, je pas comme m'appelle ça en vrai. Sofiane. Mais je. Regarde, je t'envoie mon snap avec moi, ma carte d'identité, si tu veux. Non, mais je suis très, très Envoie-la-moi sérieux. maintenant, là. Vas-y, maintenant, tout de suite, vas-y, viens, Maintenant, attends. là.
Maintenant. Maintenant ou j'affiche ton putain de num, la tête de mais ma mère. Voilà, maintenant, voilà. Ta gueule, jure pas Wallah, jure, jure sur les noix de coquille de Saint-Jacques. Regarde maintenant, regarde maintenant, regarde, tac. Regarde, même t'auras ma tête et tout. Attends, vraiment, attends. Tiens, tu vois, j'aurai ta tête, ouais. Allez, on voit la sauce. Tac, tac, bassin, tac, regarde, tu m'envoies maintenant. Tu m'as envoyé quoi, là? Une photo où t'es avec un... Non, ma... C'est ta pièce d'identité, ça? Ouais. Ça, c'est ta pièce d'identité, ça. Ça, là. Bah, oui. Bah, je t'ai envoyé bon, attends. Attends, je le montre à la room. Putain, mais les gars. Sa mère. C'est pas moi, ça. Attends. C'est pas Sofiane. Moi. Non, c'est pas toi, ça. Putain, les gens, ils sont cons. Il s'appelle Cédric, ouais. Mais non, mais pas du tout, les gars. Non, je... Alors, attends, frérot, je me déconnecte. Attends. Hein? Attends, frérot, je me déconnecte. Je me déconnecte. Ne bouge pas. Là, j'ai carrément le palpitant, hein, je te jure. Hein. Je te mens pas. Hein. Tu es né à Nice? Ouais. Attends, le live, là. Attends, mais pourquoi tu... Oh, mais tranquille. Frère, tu étais au Bataclan? T'étais au Bataclan? Non, arrête. Ou le camion de Nice, c'est pas toi? Non. Ouais. Je viens de là. Non, tranquille. Non, frérot, et quand elle t'a dit, Sofiane, tu simules? Ça mais m'a qu'est-ce brisé. Ouais, ça t'a brisé. Ouais, je vois le genre. Ça m'a brisé. Mais là encore, c'est vraiment le début de l'histoire. Et après, elle est partie et tout. Et après, pendant 10 ans, j'ai pas... Est-ce que je peux parler avec mes mots? Bien sûr. Pendant 10 ans, j'ai pas pu bander. À ce point? Mais oui, à chaque fois que j'avais l'occasion, j'avais son regard et sa voix qui résonnait. Genre, oh là là, quelle salope! La tête de ma mère. Elle t'a traumatisé à vie. Mais oui, elle m'a traumatisé. Je te jure, là maintenant, déjà tu m'as mis le stress avec la carte d'identité et là. Ouais, c'est rien, on n'a pas vu le nom, on n'a pas vu, ça inquiète pas. Je voulais juste montrer qu'on était bien en direct avec le conducteur de la promenade des Anglais. Non, je rigole, frérot. Et quand elle est partie chez sa mère, elle a coupé les ponts carrément. Ouais. Et le pire, c'est que pendant un an, genre, je la harcelais, genre, à l'époque, je crois qu'elle avait pas Snapchat ou, bah bref, email, Facebook, par sa mère, par son père, par sa grand-mère. J'ai tout fait pour avoir, même mon meilleur pote, je balance pas les blazes, mais elle habite côté Montélimar, et j'ai mon meilleur pote qui habite à côté, et c'est lui. Ouais, bah il l'a niqué, il l'a niqué, je crois, alors. Il simulait pas, lui, hein, c'est moi qui te le dis, hein. Moi je pense qu'il simulait pas, lui. La suite de mon histoire, c'est que là, récemment, il y a à peine deux mois, j'ai eu une aventure, et ça m'a décomplexé. Et là, j'ai rencontré, ma copine actuelle, et pareil, genre, elle m'a décomplexé. Genre, vraiment, la meuf que j'ai eue il y a 10 ans, elle m'a détruit. Franchement, c'était prémédité, cette phrase, vraiment. Est-ce que, frère Sofiane, tu l'aimais, cette femme? Ouais, carrément. Franchement, pour moi, c'était la bonne. Pour moi, c'était la bonne. Je te jure, c'était la bonne. Vraiment. Genre. Et pendant combien de temps vous étiez ensemble, là? 5 ans. 5 ans de vie commune? Non, pas 5 ans de vie commune, et il y a un an de vie commune. Un an de vie commune? Et tu as eu un enfant avec elle? Oui. Tu as eu une fille? Oui, c'est ça. Ouais, en plus. Tu as eu une fille? Ouais. Et j'ai envie de te dire, depuis qu'elle est née, tu l'as pas vue, cette fille? Je l'ai jamais... Je suis allé à l'accouchement. Comme je travaillais, je pouvais rester que 3 jours. Et après, il y a eu 11 jours de vacances, de paternité, je sais pas quoi, mais j'ai pas pu les prendre parce qu'elle m'a fait un coup de... Bref. Et donc j'ai vu ma fille pendant 3 jours. Excuse-moi, Sofiane. Oui. Je vais couper. Attends. Hein?
Ah, la room, wallah al-adhim, j'ai vu sa photo et tout, j'ai vu, tu sais, il est un peu fragile, il est un peu miskine. Donc, essayez de freiner un peu. Alors, aujourd'hui, tu l'as vu qu'une fois, la petite, et aujourd'hui, tu aimerais Ah ouais. la revoir ou pas? Bah bien sûr, mais malheureusement, genre c'est triste à dire, Malheureusement, de quoi? Elle est où celle-là, là? bah je sais pas, la dernière fois que je sais, elle était à Montélimar. Bah on va la trouver, c'est pas un blême. Le Pracontal, on connaît plein de gens là-bas. Ouais, Hein? Si j'espère, tu veux voir franchement la petite. j'espère. Wallah Sofiane, au début je te prenais. Wallah, tu m'as touché pour la petite parce que voilà c'est quoi. Voilà c'est quoi quand c'est pas chine. Voilà, Rahmalé. Rahma, ils ont pas. Moi, écoute, je vais te dire. Wallah, frérot, si c'est vraiment le cas, si t'as des infos, t'es sûr qu'on peut trouver, nous, tu sais comment on est, et on va trouver. Les infos, les seules infos que je peux te donner, c'est son nom, prénom. Bon, je vais pas le donner à la radio, bien Non, sûr. non, tu le... Mais Non, son non. nom, prénom, c'est que ça. Et monter les marches, j'ai rien d'autre. Franchement, j'ai rien T'inquiète, d'autre. t'inquiète, donne-moi ça. On aura tout. Par Ok. Allah, on saura même où elle a fait les courses. Matra même. Elle, on Bah, s'en fout d'elle, on franchement. en a rien à foutre. On en a rien à foutre d'elle. Nous, Ah, c'est moi, la c'est la petite. petite, hein. Ah, mais Ouais? carrément. Bah, ouais, bah, après, comme je t'ai dit, mon meilleur pote, il m'a envoyé 4-5 photos, et encore, c'était en mode scred, en mode Ton meilleur paparazzi. pote, en fait, c'est le père de ta fille. Non, Sofiane, est-ce que c'est toi Arrête, le père mais de ta non, fille? mais non. Non, en Bah vrai, je te oui, parle, un frérot, en grand vrai, de en ouf. vrai. Non, en vrai, j'étais là à l'accouchement, donc oui. Et même, elle me ressemble de ouf, tous les... ça se voit, ça se voit. Skin. Vraiment, ça se voit. Hein? Tu as reconnu la petite? Oui, carrément, carrément. Et même sa famille, ils ont tout fait pour mettre des bâtons. En vrai, si je te raconte l'histoire, c'est chaud parce que elle a une secte derrière. Vraiment. Il y Et a quoi? j'ai fait une secte. J'ai fait, Ah. mais j'ai fait, non, vraiment, j'ai fait mes recherches. La secte, c'est une secte que de femmes. Ça s'appelle Horus. Et elle a que des meufs. Et bizarrement, ben, j'ai une fille, mon ex, ben, bref, c'est que d'une famille de meufs. C'est chaud. J'ai pris l'avocat là-bas. L'avocat m'a dit, ouais, non, je peux pas. Je me suis pris un coup de pression, je peux pas. Vraiment. Et ça, c'est vrai. C'est pas du fake. C'est vrai. J'ai Non tous les mais arrête, documents. après, on s'en fout des avocats. Tu nous dis, si vraiment c'est des choses qui te tiennent à cœur, on trouve. Wallah, on Ah ouais, trouve. mais vraiment, mais je sais même Je pas. Franchement, tourne si j'ai beaucoup pris. dans... En plus, en moto, je tourne beaucoup dans cette région. Beaucoup. Donc Ouais. je peux te dire que, on se fera un plaisir de... Si c'est pour voir la petite. Simplement, on va revenir à ça, parce que moi je sais que Hein? tu m'as l'air un peu niais et tout, et... Mais non, Pourquoi, mais voilà, j'ai Sofiane, changé. Je te jure, pourquoi ça tu fait t'es 2 mois que arrêté j'ai à changé ça? de. Comment ça se fait que tu t'es arrêté à ce qu'elle l'a dit? Bah, parce Ce qu'elle que t'a dit? c'est. Je sais pas, pour tout. Bah, c'est important. Je sais pas, pourtant, on va dire, là, ta meuf actuelle, elle te regarde dans les yeux, elle te dit, ouais, j'ai 6 000. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, tranquille, c'est pas grave. Non. Ça va te blesser. Tu vas dire, ah ouais, pourquoi? Nanana, nanana. Mais pourquoi elle t'a dit ça, Sofiane? Mais je sais pas, mais je sais pas. Comme je t'ai dit, il y a 2 mois, j'ai eu une aventure de ouf. La meuf, elle m'a clairement dit, je sais pas, tu sais, quand tu fais plaisir à quelqu'un, ben, je sais pas, j'ai ressenti ça, et même elle me l'a Le dit, pire, c'est que wallahi, le pire, c'est que j'ai l'impression Hein? que tu n'as pas fauté. Tu sais, t'es pas le style de mec. Tu Mais sais, t'es carrément ni. que si! Mais carrément, non, non, là, franchement, je suis très ouvert d'esprit. Non, franchement, sur ça, elle a pas de soucis, hein. Non, Acceptable et mais ce tout, que elle a je veux pas de. dire, c'est que t'étais. En fait, t'étais tout ce qu'une femme veut. Un mec attentionné, un mec gentil, un mec qui prend Mais soin tout le d'elle. monde, La mais femme, tout elle le t'a monde. dit, faut assumer, t'es parti chercher un appartement. En Bah gros, t'es ouais. tout ce qu'elles veulent, mais t'es tout ce qu'elles jettent après. Parce que les Bah femmes ne je veulent comprends pas pas. ce qu'elles disent. Elles mentent! Elles mentent comme elles respirent! Les femmes, la femme qui t'aimera, c'est celle à qui tu feras des cernes. Elle regardera, Ouais. t'es où? Tu me rends fou! Tu me rends folle! C'est elle qui va t'aimer. Mais toi, quand t'es bien avec une femme, elle te la met dans le cul. J'ai envie de dire, enfin. Bon, ouais, Ah ouais, mais vas-y. ça, mais c'est, bah, faut pas généraliser, mais ça, je comprends pas, t'as vu, parce Faut pas que le généraliser! fils de Va te faire pute, taper, non, toi mais, aussi! Voilà, tu mérites mais d'être quoi? plumé! Je vais te présenter à la femme, là, que j'ai appelée avant, là, attends. L'autre, on lui dit, muscle ton jeu! Ouais, bah, excuse-moi, Sofiane, excuse-moi. Non, J'ai pas de souci. dérapé, ouais, bref. Mais non, Ouais, non, non. moi j'ai du caractère et tout, mais je veux dire, je sais pas, c'est. Pour moi, j'aime quelqu'un, elle a pas. Je vais pas l'aimer à 20%, 30%. Non, j'aime quelqu'un, c'est tout, elle a pas de. Vraiment. Genre, peut-être je suis un pigeon, un canard, ce que vous voulez, mais
pour moi, là tu vas me clasher, c'est sûr, mais pour moi, je crois encore en grand amour. Même après cette connasse, je crois encore en grand amour. Mais pourquoi? Et Mais là, je suis en train de. heureusement, mon Sofiane, que tu crois encore au grand amour, Bah ouais. tu vas t'arrêter sur une éche sur un échec, sur une veinale. C'est ce Hein? que j'allais faire. Vraiment, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai pas pu kiffer. Vraiment. Même dans mon Elle t'a village, bousillé ta vie. je viens d'un petit village, tout le monde croyait que j'étais Gézou. Genre pour te dire. Non mais c'est vraiment, je suis très sincère, vraiment. Comme je t'ai dit, moi, je te jure, c'est un plaisir de te parler. Moi, franchement, sans faire mon sus, je sais pas quoi, ben t'es le meilleur. Non, vraiment, genre, je sais pas, c'est un plaisir de t'écouter et tes conseils et tout, bref. Sofiane, bon, après Sofiane, c'est tout un état d'esprit. Peut-être que d'origine, tu es un peu comme ça, peut-être que c'est comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pendant 10 ans, elle t'a freiné et aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui, c'est intéressant, tu vis une histoire. Tu vis une histoire d'amour et tout, avec qui? Avec une Marocaine et tout, qui est dans la religion, et franchement, c'est top. Genre, c'est cool. Franchement, elle Si est c'est vrai? carrée et tout, c'est cool. Ouais, vraiment. Ah, carrément. Mais tu la Et. mérites pas, cette Marocaine, toi. Ah, bien sûr que si, franchement, Non, c'est ouf. tu fais du recyclage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, la Marocaine, fallait la prendre en premier lieu. Bah ouais, C'est mais ta sœur, c'est ta cousine, c'est ta femme, c'est une femme de ton bled. Et comme Oui, par je sais. magie, tout se passe bien avec une femme de chez toi. Tout se passe Et tu bien. sais quoi? Et c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Bassem. Parce que depuis que je t'écoute, vraiment, ben, je sais pas, genre, j'avais. C'est peut-être très très con ce que je vais dire, mais de revenir à mes racines, réellement. C'est vrai? Ouais, mais c'est vraiment, c'est pas du foutage de gueule, mais vraiment, genre, je sais pas, genre, ta façon de penser et tout, c'est. Et bizarrement, je suis d'accord avec. Alors, Sofiane, depuis combien de temps tu es avec elle? La Marocaine. Ah là, c'est récent, c'est 1 mois et demi, 2 mois, vraiment, c'est récent. Ouais, donc rien n'est fait Mais encore. Tu je me dis t'es sens. heureux. Ah non, mais je sais pas, je sens que c'est différent. T'as vu, je suis pas en mode love-love, en mode bisounours. Je sais pas, c'est différent, ses paroles, je sais pas. Elle me calme pas mal, en fait. Donc, j'ai des gros vis, donc elle me Tu es calme pas comment mal. alors frérot, wallah el azim, je regarde ta pièce d'identité. Ouais. Physiquement, beau gosse. Physiquement, écoute, à part attends, alors attends. Il faut que. À part que t'es le propriétaire La du camion, camion de ouais, Nice, mais beau gosse. Wallah, beau gosse. Beau gosse, petit dégradé. Toi, tu fais des petits ouais, mais dégradés à blanc. non, Pète ça. j'ai calvitie, boule à zéro maintenant. Non! Ah ouais, c'est vrai? C'était quand Ah ça? ouais, carrément. Ah, C'est vrai? c'était. Je sais pas, mais en Ok. tout cas, la boule à zéro, ça date de 1 an environ. D'où est-ce que tu viens? Du Maroc, frérot? Mohamedia. C'est où? Je sais pas, moi je suis né en France, hein, mais genre. Hein? T'es déjà rentré au bled? Non, jamais. D'accord, et elle est d'où, J'ai pas eu frérot? l'occasion. Je sais pas, franchement. Elle me l'a dit, mais c'est un nom, franchement, mais c'est, comment dire, elle m'a un petit peu expliqué son histoire, et sa famille, elle est très 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 bien au Maroc. Ben, je veux dire, Frérot, frérot, est-ce que tu travailles, Sofiane? Là, actuellement, non, parce que je m'occupe de mon deuxième enfant, et pendant deux mois, je travaille pas. Mais sinon, je travaille dans une usine. C'est qui ce De deuxième quoi? enfant, Sofiane? C'est qui? Avec qui tu l'as fait, frère? Miskine. Avec mon ex. Quel ex? Mon ex d'il y a 8 mois, là. C'est pas. Non, attends. Non, Il y c'est a huit vrai, mois, là. t'étais. Elle a la maison. Elle a la maison, c'est vrai, en plus. C'est la vérité. Je me suis Elle est à la séparé, maison, là, elle est à la tous les deux maison où? semaines. Bah, chez moi. Tous les deux Avec semaines, chez toi, moi, là? pendant 2 semaines. Oui. Il y a qui est avec toi, là, frérot?
Ben là, je suis tout seul. Là, mon coloc et sa meuf à côté, et ben ma fille dans sa chambre, et là, moi dans ma chambre. Ta fille, elle est dans sa chambre? Elle a quel âge, ta fille? Elle a 1 an et 6 mois. Et ça, c'est pas avec la française, ça, c'est avec une autre. Non. Oui, ça avec une autre, oui. Mais tu m'as dit que pendant 10 ans, tu bandais pas. Donc, c'est pas toi le père des enfants, alors. De Bah, tous les enfants, si, là. mais, si, mais, avec mon ex, ça se passait relativement bien et elle m'a un petit peu décomplexé, mais franchement, sans mentir, j'étais un mauvais amant, t'as vu, genre, franchement, genre, je sais pas, genre, c'est de la merde. Non, franchement, là, je suis honnête, en plus, là, je suis totalement honnête, c'était de la merde, j'étais de la merde. Et comme je t'ai dit, là, ça fait 2 mois que ben, j'ai eu 2 conquêtes, ben, bref. Et ils m'ont décomplexé, et là, ça fait que 2 mois que j'ai confiance en moi. Ça veut Vraiment. dire que là, t'as repris confiance en toi. T'es... Voilà. Ah, En ça fait fait, deux tu mois, as... j'ai repris le En fait, sport et tout. Sofiane, en fait, tu as un sac à main de merde, quoi, en fait. Tu Attends, chies, tu j'ai niques, pas tu compris. danses, tu fais des gosses, tu les reconnais pas. T'es un sac à main de Mais merde, en vrai, non. Sofiane. Oh, pas du Ouais, c'est tout. vrai? Oh, pas du tout. Ah, oh, non, non, franchement, Alors, alors, non, non, non. alors, on va Stop. changer les plans. On va changer les plans, finalement. La petite, non. Non, Mais quoi, t'es bizarre, toi. mais non, T'es... mais non, mais pas du tout, Non, mais t'emmènes franchement, ta franchement. fille chez un coloc. T'es bizarre comme mec, toi. Bah Je non, comprends c'est mon pas, frérot. appartement et financièrement, j'ai un appartement qui coûte cher. Donc j'ai pris un coloc pour que financièrement ça me soulage. Parce que genre ben j'ai dû payer 2 mois du loyer de mon ex pour l'aider et je me suis mis dedans. Donc j'ai dû prendre un coloc. Je suis Ah, très sérieux. d'accord. Je suis vraiment très sérieux et mon coloc, il respecte vraiment la vie de famille, c'est-à-dire il fait pas de bruit quand elle est là, c'est ben il respecte quoi. Mais Donc va non. pas mettre enceinte la meuf de ton colocataire quand même, frérot. Bah mais non, mais non non, mais je suis très en plus franchement à chaque fois que tu mets un coup de pression, c'est que je sais pas, on dirait que tu me crois pas, ça met en pression, je te jure. Franchement, comme je t'ai dit, tout ce que je t'ai dit, c'est vrai et je veux pas je sais pas, je veux pas que tu me prends que tu me prennes pour un mytho, je sais pas quoi, Mais je vraiment, suis je suis qui, fou. moi? Je comprends pas pour que tu me dises ça. C'est ta vie, Je sais pas. Sofiane. C'est pas Bah moi. ouais, je J'ai sais, mais vu je ta voulais. photo, Je tu sais m'as pas, j'ai l'air sauté un peu la niaque, t'as forêt, l'air d'être mais. un Hein? hagoun. J'ai envie de dire, frérot, t'es un peu niaque. J'ai envie de te dire, mais quand on creuse le niaque, il a un seul œil. J'ai envie de te dire, c'est quoi ça? C'est quoi le fêté qu'on fasse des enfants comme ça, qu'on s'entende pendre les reins? Alors, Ben c'est non, qui que tu gardes? je m'entends pas du tout, franchement. Ma Ouais. première fille, j'ai voulu l'assumer à 100%, j'ai pas pu. Ma C'est deuxième vrai? fille, je l'assume à 100%, je l'aime de ouf. Oula! Mais je sais pas, c'est vrai, genre, je sais pas, c'est très con de dire ça, mais je m'en occupe bien. Tu J'ai as même quel pas âge, besoin de Sofiane? justifier. J'ai 28 ans. Hein? Et la petite, elle a quel âge? Comme je t'ai dit, elle a 1 an et 6 mois. Elle est née le 1er avril 2019. C'est pas un poisson d'avril. 2021. Non, non, Alors, non, je suis désolé. Ouais, non, 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 je me suis confondu. la petite, quand elle vient, la petite, elle vient où? Ben, chez moi. Elle a une chambre seule? Ben oui. D'accord, ok. Ah oui, Alors, carrément. moi, j'ai Ben, la room, hein. Moi, j'ai des meufs qui me disent, c'est un mec à problème, lui. non, pas Il du sent le tout. blême. Mais... Ben, non, pas du tout, vraiment, genre... Je sais pas comment je pourrais... Bah, je sais pas, moi. Non? Ouais, non, non, mais c'est bon, aucun problème. Eh ben, écoute, alors aujourd'hui, tu en es où? Tu Ah, veux parler de très très quoi? bien. Bah, C'est à part vrai? si financièrement, je suis un petit peu en galère, mais sinon, moralement et tout, physiquement, c'est nickel. C'est franchement nickel. Franchement. C'est nickel Et... avec elle? Ou c'est nickel avec elle, avec ben même mon ex, franchement ça se passe très bien, j'ai aucun souci, avec mon proprio nickel, franchement tout va bien, Ça se passe carrément. très bien avec mon ex, mon Et proprio. voilà. Bah, Inch'Allah, Rabbi Zidek. Bah Alors, carrément, c'est même pas dur. tu sais, quand tu Ouais. dis que ça se passe très bien avec ton ex, c'est quoi les rapports que tu as avec elle par rapport à la petite et tout? Ouais, c'est ça, genre on se voit quand je vais chercher la petite. Et parfois on rigole, on parle, voilà quoi, genre ça se passe bien. La petite, elle est née le 1er avril 2019. Ouais. Et tu m'as dit, Attends, elle a un an et demi. 2022. Ouais. Attends, Hein? 2022. Parce que j'ai un petit problème pour le. Ouais, faut lui retirer Avec la le temps. garde, lui, à ce mec-là. Mais Faut non, lui... mais non. Non, tu as Mais volé non, la mais carte je suis d'identité. sérieux. T'es Mais non, sérieux, on mais tu sait, peux regarder ouais. mon Facebook. Non, mais je suis très sérieux.
Et en plus, là, il est tard et je suis mince d'air. Donc, question de temporalité, je suis très sérieux. Non, non, Temporalité. je suis. Non, mais je suis très, très sérieux, vraiment. Genre, je suis pas un mec à problème, loin de là. Je me mets dedans avec tout le monde. Genre, j'essaie d'aider tout le monde, les gars, franchement. Ouais, les Je sais gars. pas, moi. Mais non, mais je viens d'une Tu vallée comptes te que tout le marier monde avec elle, comprend. frérot? Franchement, Est-ce que si tu... tout se passe bien, ouais. Franchement, ouais. D'accord. Ok. Et tu fais quoi, Sofiane? Tu travailles pas en ce moment? Non, là je reprends le 1er septembre. Ben, dès que j'ai plus la petite, je reprends à travailler. Là, je vais la rendre à sa maître le lundi là qui arrive. Elle fait quoi, sa mère, pour que tu le gardes, la petite, à 1 an et demi? Ben, rien. C'est Ben, quoi je veux dire la là, c'est nationalité de la mère? française. Hein? Et la première? Française aussi? Française aussi, ouais. D'accord. Et là, t'as décidé de rentrer à la maison? À la maison, c'est... Ah, ouais, bah ouais, carrément, bah ouais, C'est vrai? carrément. Ouais, carrément, sale enculé, va. Tu Mais quoi, tu c'est vrai, piétines les femmes de chez j'avais pas toi, le choix, tu les mais calcules. non, Ouais, t'avais pas le choix, mais écoute, quand je mais t'entends non, je parler, sais, je me je dis viens c'est d'une mieux, vallée, c'est je viens mieux. d'une vallée, regarde, je viens d'un village, on est 400 habitants à l'année, là, j'étais Ah, seul à Rome, d'accord. tu veux quoi? Ah ouais, c'est Bah, vrai, je vais c'est te vrai, dire, c'est vrai, pendant c'est 12 vrai. ans, j'ai grandi... Ah, merci, ok. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, en plus, t'es même pas dans le... Bref, bah, je voulais pas manger les autres meufs de mes potes, t'as vu, je sais pas, bref. Ouais, tu voulais pas. Tu voulais pas. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai qu'il faut qu'on parle un petit peu de ces Maghrébins qui ont grandi dans des campagnes et tout. C'est vrai ils ont pas eu. Il y a des choses où on peut les comprendre. Wallah l'azim, c'est vrai, frérot. Ça dépend. Parce que quand je t'ai dit j'ai tout perdu, c'est que dans ma tête, j'étais français, en fait. Vraiment français, français. C'est vrai. Vraiment français, genre... Laisse tomber. Bah, tu vois, bah, en parlant d'attentats et tout, quand il y avait les attentats, j'avais carrément de la haine envers nous, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir sur une femme de chez toi? Tu l'as rencontrée où, celle-là? Je leur rencontre, ben, c'est un petit peu con de dire ça, mais je l'ai rencontré dans un parc où je me promenais avec mon plan cul, en fait. Et elle a une particularité, et ça m'a plu, en fait. Bon, j'ai pas envie qu'elle a du foutage de gueule et tout, bref. En fait, elle est en fauteuil. Non, mais juste, vas-y, enfin, Qui c'est qui est en fauteuil? Ben, ma copine actuelle. Non, mais c'est pas en fauteuil, non, mais c'est pas en fauteuil en mode. Non, c'est juste qu'elle a. Elle galère à. Comment dire, à bouger ses jambes, pas genre, c'est juste. Elle marche, je dirais marche, mais juste. Mais elle est Bah, handicapée, elle est comment? non, elle est. C'est une bombe atomique. Oh, ok. C'est juste, elle a. C'est comme Bombe les artisanale. Pattaya. T'as vu, elle a une quoi? Elle a une petite tête. Non, mais en mode de Pattaya, t'as vu? Ok, vas-y, bref. Ah, Miskine, il est un peu Vas-y, dérangé. finis, Bon, vas-y. bah écoute, Sofiane. Vas-y. Vas-y. Sofiane. Non, mais bref, c'est une petite boutade. Mais sinon, bref. Bref. Ouais. Ta place, elle est en prison, toi. Je comprends pas. Mais Tu vas non, dans un mais parc non, mais avec un c'est. plan cul. Non, bon. Écoute, Mais Sofiane, non, mais rends la c'est ça, petite. c'est On va ça. te poucave. J'ai ta pièce d'identité, frérot. Bah oui, bah là, pas de soucis. Mais Fais pas en de tout cas, conneries avec elle, hein. je sais pas si t'as du jugement Non, je sur te moi, mais en parle. tout cas, c'est Fais pas chiant, de c'est conneries chiant. avec la petite, hein. Hein? Fais pas de conneries avec elle, hein. Prends-en bien soin. Le Bah temps qu'on te la normal, c'est retire. ma fille. Ouais, c'est ta fille, ouais. Bah quoi, Ouais, ça fait c'est vrai, flipper. genre, c'est la prunelle de mes yeux. Enfin, franchement, je m'en occupe très très bien. Vraiment, Frère, j'ai. t'es capable de draguer une fille en chaise roulante avec un plan cul dans un parc. Faut Mais qu'on non, mais t'as vu, s'inquiète. mais en fait, franchement, je t'adore, Bassem, mais en fait, à chaque Non, fois, non, ne parle pas de t'as des moi. raccourcis. Mais non, Ne mais me mêle pas avec c'est ça. ta. Ok, regarde, je te mêle pas de ça, mais en tout cas, s'il te plaît, juste Ouais. laisse-moi finir. Elle n'est pas handicapée comme tout le monde voit les handicapés, en fait, vraiment. Elle a juste un problème neurologique qu'elle n'arrive pas bien à contrôler ses jambes. Mais sinon, elle est éducatrice spécialisée. Donc, à mes yeux, elle est normale, en fait. Genre, elle a juste Ah un problème de jambes, vraiment. Donc, c'est pas une handicapée comme à gueugueux, vraiment, non. Donc,
Bref, Ouais. bref. En tout cas, C'est bizarre. baptême, vraiment. En tout cas, merci. Ouais, t'es bien. Ouais. En tout cas, merci. En Bah, en tout tout cas, cas, prends soin de toi maintenant que t'es avec une. je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Ouais, dis-moi. Bah, en tout cas, c'est un plaisir de parler avec toi. Je suis très sérieux et merci beaucoup de m'avoir appelé. Vraiment. Mais t'es bizarre comme mec, wallah l'adim, t'es. C'est un coup, il veut mon chibre, cette merde. Ah, je vais te. Ça fait peur, wallah. Wallah l'adim, ça fait peur. Putain, je. En tout cas, voilà. Sofiane ou pas Sofiane, il est retourné avec une femme de chez lui. Et c'est super beau. Un Marocain avec une Marocaine, c'est super beau. Faut respecter ça, absolument. Absolument. Comme ça, quand vous faites la fête, même quand vous faites la fête, vous vous comprenez. Wallah, c'est la meilleure des choses. Big dédicace à eux. Ouais, big dédicace à tous nos frères marocains. Les Turcs, bah non, je comprends pas, Allô? Allô, Salem? Salem? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça Tu peux couper ton live, je comprends pas. Tu m'as donné ton numéro, c'est ça? Tu voulais réagir, frérot? va? Ouais, je t'ai appelé, Bassem. Salam, Allez, Bassem, je ça va? t'écoute. Salem, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Écoute, je voulais en parler du sujet que tu t'avais abordé. En fait, moi, je suis né en France, mais j'ai vécu en Tunisie. Et au bout d'un moment, j'ai terminé mes études et tout, et je suis venu ici pour terminer mes études. Et en ce temps, bah, quand j'y vais là-bas, j'ai connu une meuf. Et sincèrement, je l'ai aimée et tout. Et en fait, on a passé des bons moments ensemble, on a passé 3 ans ensemble. Mais le truc, c'est que quand je suis venu ici en France pour taffer et tout, c'est que ma vision des choses, elle a changé. C'est que là, j'ai plus des sentiments envers elle. C'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, en fait, le mode de vie que je subis ici, c'est que pour moi, il me faut une meuf qu'elle est née ici, qu'elle connaît la France, elle connaît tous les trucs, quoi. C'est-à-dire que ça a changé, ça a changé. Et là, ça me donne des problèmes en tête. Et je sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire, c'est-à-dire, je sais même pas c'est quoi ton problème, frérot. En fait, moi, le problème, c'est que je sais plus est-ce que je reste sur le chemin avec la copine avec que j'étais en Tunisie, ou bien c'est-à-dire, je change de direction et c'est-à-dire, je me focalise vers, par exemple. Parce que tu as le choix, tu peux revenir vers elle, elle acceptera déjà. Je sais pas, vous faites des projets seuls. Je comprends pas, je. Si, je peux revenir avec elle. Elle m'aime encore, tu vois, mais moi, je suis plus intéressé, quoi, tu vois. Mais je sais pas si c'est le bon choix ou pas, tu vois. Mais je m'en bats les couilles! Je m'en bats les couilles! C'est bon? J'en ai rien à foutre, mon bout de vie, moi! On parle d'un chagrin d'amour! Ils font chier, les gens! Putain, j'en ai rien à foutre, mon bout de vie, moi! Putain! Allô? 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 Oui, c'est Salam l'âme. Bassel. Salam. Alors, c'est par rapport au sujet du soir, des Oula. chagrins d'amour. Ouais. Ouais, et je vais intervenir par rapport à ça. Ouais, Lors de la dis-moi. première mi-temps, il y avait le frère qui avait dit ce qui l'avait aidé, c'était le temps, moi, c'était la distance. Ah? Ouais, Ouais. et en gros, au bout de quelques mois, bah, c'est passé. J'ai C'est eu la chance de faire. la distance, le fait de plus la voir physiquement, frérot? Exactement. Plus la voir Ouais. physiquement, elle, ses amis, tout l'entourage, en fait. Et ça permet d'on va dire, accélérer le processus un peu de guérison, Tu entre guillemets. as vraiment été affecté ou pas, frérot? Alors, en fait, c'est assez compliqué. Je suis resté avec elle
presque un an et demi. Et j'étais, on va dire, c'était mon premier amour, en fait. Ah ouais. Et ouais, c'était hyper compliqué. Et Dieu Pourquoi merci, c'est tu hyper m'as compliqué? pu. Bah, je sais pas, parce que je suis un mec un peu chenille, du coup, genre, j'ai. Je sais pas, je me suis trop attaché, en fait. Je me suis trop attaché et ça a commencé à me. Même par rapport aux études et tout, ça a commencé à me déconcentrer. Et j'ai pas trop, on va dire, j'ai pas trop. Je sais pas, j'ai pas trop su comment gérer on va dire, la séparation. Elle est venue vers toi, elle t'a dit c'était fini, c'est ça frérot, c'est elle qui a pris les devants. Non, 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 c'est moi qui ai rompu. C'est moi qui Et ai après rompu et cette ça. salope, pour me le faire payer, en fait, le lendemain, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre Le que je connaissais, lendemain? et elle me l'a fait savoir, tu vois. Un mec que tu Pour me connais? l'emprunter. Ouais. Voilà, pourquoi tu m'as pas parlé comme ça dès le début? Allô, Bassem, j'ai la mort, j'ai envie de parler de cette garce qui Non, me l'a non, fait à j'ai plus la l'envers. mort, là. J'ai plus la mort. C'est il y a 6 mois, ça. Mais Là, frérot, aujourd'hui, non, j'ai plus la mort, c'est très comment est-ce récent. qu'on peut avoir un chagrin d'amour pour une femme qui se met avec ton pote le lendemain? C'est pas mon poste, c'est juste quelqu'un que je connaissais. Bah, je sais pas, c'est des sentiments. Je le fais pas exprès, hein. C'est pas. Mais bref, du coup, pour revenir à l'histoire de la distance, en gros, on va dire quelques semaines après, j'ai eu deux opportunités de stage. Alors moi, déjà, de base, j'étais à Paris. Donc, j'ai eu un truc à Paris, un autre truc à Abu Dhabi, tu vois. Et bon, je sais que, bon, par rapport au truc professionnel, il ne faut pas trop prendre des décisions par rapport à tout ce qui est sentimental. Mais là, pour le coup, j'ai pris la décision par rapport à ça. Je voulais, on va dire, je voulais partir de Paris. Et alhamdoulilah, je l'ai pas du tout regretté, même d'un point de vue professionnel d'études, c'était. Et on va dire que c'est ce qui m'a aidé à surmonter un peu le. À monter la pente. À remonter un peu la pente. Et là, du coup, alhamdoulilah, ça. Donc, si j'ai un conseil à donner à des frères qui sont un peu dans la même situation, si vous, je sais pas, si vous prenez le pari d'attendre que le temps passe et tout, et que vous êtes dans le même environnement, ça va pas le faire. Est-ce que on réagit tous comme ça face au chagrin d'amour, frérot? Est-ce que psychologiquement on est tous les mêmes? J'ai envie de te dire, parce que quand on dit j'ai un conseil à donner, on réagit pas tous pareil par rapport à ça, frère. C'est très important Alors, ça. moi, non, c'est vrai. En fait, moi, la grosse différence, je trouve qu'elle réside entre le fait que. En fait, les meufs et les mecs, je pense, on réagit pas de la même manière. Nous, en fait, on se referme vers nous-mêmes, tu vois. Moi, j'en parlais pas. J'en ai parlé à personne, d'ailleurs, même pas à mes potes. Tu sais, genre, par fierté, tu sais, tu leur dis, ouais, non, je m'en fous, en fait, c'est bon. Alors que pas du tout, tu vois, mais. Et les meufs, elles, c'est un peu l'inverse. Elles le disent à tout le monde. Du coup, t'as tous les clochards qui viennent les lécher en mode, ah, c'est bon, ils ne méritaient pas. Bref, t'as toutes ces copines, les putes, qui sont en mode, vas-y, viens, on sort, ça. Enfin, bref, toi, genre, c'est vraiment pas. Nous, c'est un peu la traversée du désert. Elles, c'est plus. Je sais pas, c'est n'importe quoi, genre, mais ça renforce, tu vois, le fait de gérer ça seul. Garder un minimum de fierté déjà par rapport à nous, enfin à toi-même, ça te permet de. Ben, du coup, en fait, avec le recul, une fois que ça passe, tu te dis bon, ça va, je ne suis pas trop chié dessus. Et aussi, ça renforce d'un point de vue psychologique, personnalité, ça. Et moi, je l'ai senti, tu vois. Et Ça, puis c'est voilà, chaud. c'était juste ça. Alors, on vient d'entendre on s'en fout. On vient d'entendre que Benjamin Mendy, il a balancé tout City. Mahrez, Foden, Sterling, Grealish, Walker, il va tous les faire tomber. Ils ont tous spiné dans ces soirées. Ils sont dans la chouax. Oh putain de merde. Le seul qui a compris qu'il était dans la merde, c'est Ousmane Dembélé. Il a fait un halal direct. Il s'est dit, moi, je vais pas y te mêler. J'ai été pris en photo avec lui. Ouh là là, il est en train de niquer tout le monde. Ils sont dans la merde. Alors là, les gars. Alors là. Putain. Putain. Allô? Allô, ça va comme. Alaykoum salam. Allô, allô. Ça va comme, frérot. Ça Alors, va? frérot, déjà, juste pour savoir, est-ce que c'est l'amour est dans le pré ou bien c'est la radio Ta'abassem? Mais frérot, il faut tout. Il faut qu'on fasse un peu de tout. C'est pas l'amour est dans le pré, c'est la radio M'Tana, frérot. Ouais, mais frérot, ce que je veux dire par là, c'est que on peut en parler un peu. Mais après, tu vois, un peu varié aussi.
Ça ferait plaisir. Tu sais, tu sais, mon frère, il n'y a pas un peu varié. Faut respecter les thèmes des émissions dans cette radio. J'ai envie de te dire, c'est important parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne veulent pas nous regarder. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. D'autres, il y a des émissions qui vont plus les intéresser que les autres. Moi, quand je parle de ces émissions de là, je parle pas de L'Amour est dans le Pré, mon frère belge. Je vois que tu nous appelles ouais, de Belgique. Je dis pas que c'est L'Amour est dans le Pré, mais wallah, frérot, à travers ces émissions-là, il y a des gens comme toi et moi qui ne sont pas capables d'en parler. Et nous, on parle pour eux. C'est-à-dire, on lance le débat pour eux. Les gens ne veulent pas donner leur avis, mais veulent écouter. Veulent écouter parce qu'ils le vivent en sous-marin. Et nous, si on peut leur donner le sourire, on rigole, on plane sur des choses comme ça, sur des sujets très sérieux comme ça. Si tu savais le nombre de mecs qui sont rentrés en prison parce qu'ils étaient amoureux. Putain, mon pote. Eh ben, c'est à ces gens-là qu'il faut faire ce genre d'émission, frérot. Même avec des trolls, on s'en fout. L'important, comme je le dis souvent, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. L'important, si ça a remonté le moral à quelques personnes, si le fait est d'en parler, de savoir qu'ils sont pas tout seuls eux aussi, que ça arrive à tout le monde et qu'il faut en parler, c'est très important, frérot. Non, je peux comprendre, voilà. Je peux comprendre. Maintenant, moi aussi, je voudrais savoir, Bassem, pour la radio, tu comptais faire quoi de plus exactement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je kiffe la radio à mort. Je te dis, je suis chauffeur poids lourd, je kiffe la radio à mort. Mais moi, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu comptais faire plus pour nous, pour notre communauté, etc., etc. Alors, je comptais commencer bientôt à la rentrée une émission spéciale pendant la semaine pour proposer de l'emploi aux gens avec les patrons de la room qui cherchent des gens, avec des gens de la room qui cherchent du travail. On a envie de faire ça. On a envie de faire aussi des rencontres. Quand je te dis des rencontres, c'est-à-dire des rencontres physiques avec les gens de la room, j'aimerais bien lancer le TH footing aussi. La radio, elle me sert qu'à passer du temps avec vous et de parler de l'actualité. Je n'ai pas de projet d'image dans cette radio. On va changer le générique, on va changer plein de choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de cette radio, ce qui nous permettra de relier des choses. Alors, si tu t'attends à voir une femme ou à voir un mec qui sait dans ma radio, c'est là qu'il faut que tu quittes. On s'en bat les couilles d'inviter des gens à la radio. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, je suis là, je partage ce moment-là avec vous. La radio, elle me sert juste de tremplin pour concrétiser quelques petits projets que j'ai par rapport à la communauté Team Halib, frérot. Wallah el-Azim, c'est uniquement ça. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte de plus dans cette radio? Dans cette radio, ce qui fait son charme, c'est qu'on prépare pas les émissions. Des fois, on tombe sur des bombes, des fois on tombe sur des fakes, des fois on tombe, c'est comme ça. Mais moi j'ai envie de te dire, faire un live là entre clochards, on est plusieurs, on est là, on se parle, j'en ai rien à foutre de ça, frérot. Moi je vous donne je donne la parole à vous, je donne pas la parole aux autres. Ouais, je peux comprendre. Non, franchement, moi j'aime bien que tu apportes ta pierre à l'édifice, que tu essaies de faire changer les choses avec ton truc, mais voilà quoi. Et pour finir, ouais, frérot. Tu voulais faire, tu vois, la radio en soi, tu comptais la faire jusque quel âge? Parce que, tu vois, t'approches aussi un certain âge, si, sans vouloir t'offenser ou quoi que ce soit, t'approches un certain âge. Et je me dis que, voilà, jusque quand ça peut durer tout ça? Et comment tu comptes la faire continuer par après? Oula, frérot, on n'en est pas là, on vit au jour le jour, frérot. On s'en fout. La radio, c'est pas un taf, j'ai envie de te dire, c'est un passe-temps, c'est un moyen de communiquer avec vous. Je n'ai pas de projet particulier, j'ai envie de te dire. Alors, toi, tu penses que je devrais avoir un projet avec cette radio-là? Tu peux faire quelque chose de grandiose, je trouve. Je trouve que ça peut être quelque chose de monstrueux, car tu as créé une base solide. Ouais, mais après, je l'ai faite, elle a perduré grâce à des gens comme vous, frérot. Ouais, non. Après, j'ai envie de te dire, non, après, j'ai envie de te dire, alors oui, nous servir de l'expérience qu'on a eue pour renseigner les gens, pour aider les gens, pour se parler entre nous, faire des footings ensemble, promener nos chiens ensemble, se donner des conseils mutuellement, créer une vraie. Moi, ça, c'est mon rêve, je te jure. Partager des métiers, trouver des gens qui travaillent. Des patrons, et pourquoi pas, bien sûr, nous avons évolué, nous continuerons d'évoluer. Je vais pas parler beurrette et sac à main dans cette radio pour tout le temps, j'en ai strictement rien à foutre, frère.
j'ai envie de dire. J'en parle parce que on est insulté à travers elle. Mais là, maintenant, il y a des gens qui commencent à comprendre un peu. On va de moins en moins en parler. Il y a des frères Renois et des sisters Renois qui prennent la parole. Eh ben, on va en parler moins. C'est tout ce qu'on voulait, nous. Après, j'ai envie de te dire... Alors, il y en a, il m'a dit, ouais, au mois de décembre, Bassem, tu as tout pas... Non. Il y a eu des circonstances qui ont fait que... Mais, wallah, frérot, wallah, hein, j'ai envie de te dire que là où je suis fier, c'est qu'à travers cette communauté, il y a eu des connexions improbables. Il y a des gens, ils se sont retrouvés parce qu'ils me suivaient. L'autre, il a travaillé avec l'autre. L'autre, il a fait ça avec l'autre. L'autre, il s'est marié avec l'autre. L'autre, il s'est marié. Non, frérot, on n'a pas fait ça en vain. Je te dis la vérité. On n'a pas fait ça en vain. Mais on est content. On est content qu'il y a des gens aussi comme toi qui se permettent de se poser des questions, qui s'intéressent à ça. Alors, toi, par exemple, qui me suis depuis longtemps, qu'est-ce que tu penses qui devrait changer dans cette radio? Franchement, je vais te dire la vérité, je ne suis pas un BDH. Et donc, ce n'est pas que je te suis au jour le jour et je me fracasse la tête à savoir ce qu'il faudrait changer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là, je suis à l'antenne, j'écoute, je profite. Je ne suis pas du genre à aller réfléchir pour une émission, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais donc, non, voilà, frérot, c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est bon. Très bien. Alhamdoulilah, frérot, vous m'avez aidé à fédérer les choses. Il faut continuer. Et puis, j'ai envie de te dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas bientôt, c'est la merde? Et pourquoi pas un jour, on n'aura plus d'eau? Un jour où il faudra se retrouver pour se sauver nous-mêmes? Et on va se retourner vers qui? Voilà, on va se retourner vers des gens... Nous, ce qui est bien avec nous, c'est quand tu vois cette room, il y a des gens qui se sont jamais parlé. Mais quand tu les vois parler entre eux, tu as l'impression qu'ils ont toujours été ensemble. Non, ça, c'est des nous, c'est ça. Après moi, Inch'Allah, Ya Rabbi, j'ai envie de te dire, si on trouve un projet solide, moi, mon rêve, c'est d'un centre. Un centre. Moi, j'en rêve, les yeux ouverts. Un centre de formation ou... Un centre de tout. Cool. Un centre de tout. Centre Halib. Un centre, le c'est un entrepôt. C'est un entrepôt. Il y aura un salon de coiffure. Il y aura une salle de muscu. Il y a un garage. On veut Bouzid. Il y a un garage, voiture, moto. Il y a une mosquée. Il y a des cours arabes. On a des cours de rattrapage. On ramène nos fistons toute la journée. Ils restent là-bas, ils traînent là-bas. Il y a une salle de jeu. Il y a un lounge pour les grands. Juste après leur séance, il se coupe les cheveux, il fait une douche. Il vient fumer sa petite chicha en train de regarder un match de foot. Le dimanche après-midi, on laissera ça pour les femmes qui se donneront des conseils, qui se parleront. Même si elles doivent se raconter leur potin de Kerr, au moins elles le feront dans notre centre. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, ça? Je kifferais, moi, ça. Les frères, ils ramènent leur bécane, leur moto. On discute, on parle, on se donne des conseils. L'autre, il répare l'autre. Ah, frérot, en fait, j'ai mon ralenti. Il y a des frères de Belgique comme toi qui viennent à Lyon, qui viennent en France, qui savent pas où aller. Ben, ils viennent au centre. Au centre, il y aura toujours des ragondins posés. L'autre, il te donne conseil. Si tu veux de la F, tiens. L'autre, tu veux ci, tu veux ça. J'ai envie d'avoir un point de rencontre pour tout le monde. Tous ceux qui sont pas de chez nous, quand ils viennent à Lyon, ils se disent « Tiens, je vais faire un saut au centre TH, au centre Halib. » Wallah l'avim, je suis véridique, frère. Neverland, mais pour les rats. Neverland, mais pour les ragondins. Neverland, mais pour les ragondins. Des moteurs par terre, des durites, des Golf VR6, une salle de muscle. Non, frérot, c'est terrible. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, ça, moi? Et bien sûr, hein, ça sera un peu comme les Turcs où quand ils se voient dans ce centre, ils se donnent des offres d'emploi, ils se donnent des tuyaux. Et après, frérot, Inch'Allah, pourquoi pas? Les enfants, on s'occupe d'eux, on les amène dans des camps, on les réveille à 5h du matin, ils font le fajr, après on leur casse des bouts de bois sur le dos, on leur redonne goût. Tu sais, j'ai envie de te dire, wallah, on aimerait tant. On aimerait tant. Et puis, j'ai envie de te dire, voilà, peut-être que les fistons, on les ramènera tous. Les mamans, elles seront contentes. On aura les fistons avec nous. Ils auront leur salle de jeu. Ils vont grandir ensemble. Oui, c'est un camp de concentration, le Rheingans. Et alors? T'as la mort?
Crois-moi que si demain on le fait, toutes les mamans qui ont plus de papa pour leur enfant, elles vont nous les ramener. On va les rendre carrés. C'est bon comme ça ? Dès qu'on va rendre l'enfant à sa mère, il va lui dire « Maman, tu parles pas maintenant, c'est moi qui me mets devant !» T'as cru qu'on va leur apprendre à dessiner ? Absolument pas ! On va leur donner la haine des gens comme vous. Alors oui, il n'y a pas de problème, tu me parles de camp de concentration, tu manques de respect à tous ceux qui étaient dans ce camp-là. Nous, c'est un camp de formation. Formation rouge, là. Voilà, la formation, on va les remettre droit dans le chemin. Quand je te dis droit dans le chemin, on va tellement les insulter parce qu'ils ont des jeans serrés qu'ils n'en mettront plus. Et eux, ils vont transmettre ça aux petits. Les temps difficiles ramènent des hommes forts. Les hommes forts emmènent des temps calmes. Les temps calmes emmènent les tarlouses, entre guillemets. Ce que tu défends, toi, Laura Ingalls, progressiste de merde, sale merde. Crois-moi que le petit qu'on formera dans notre centre, il aura 12 ans, toi t'en as 40, il te fera mouiller. Tellement il aura de la testostérone. Tu vas devenir une Momenson, sombre gueuse, va. Ouais, frérot, il y a des lois, j'en ai rien à foutre. Associatif, il est où le souci ? On traumatise les petits, nous, absolument pas. Si vous cherchez votre enfant, il sera en train de courir autour du local. Nous sommes ici pour traduire. Ah non, 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 c'est... Et nous, on sera par la fenêtre en train de regarder. Voilà. Voilà, plus vite, plus... Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait bien. Voilà, qu'est-ce qu'on aimerait bien. Qu'est-ce qu'on aimerait, mais ça... C'est... Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, frérot. Merci, frère belge. Prends soin de toi, frérot, t'es un bon... Voilà, avec des sports de discipline. Chaque semaine, on apprend... Il y aura un prof de sport différent. Il y aura de la taille, il y aura de la lutte, la boxe anglaise, du taekwondo. Et nous, je connais, alhamdoulilah, je connais des mecs qui sont super bien placés. En taekwondo, à Vénissieux, on a une famille, Jamel Maloum et tout, qu'on fait les JO de Sydney. En taekwondo et tout le reste et tout. Au karaté, on a le Sen no Sen à Vénissieux. On peut leur apprendre chaque jour. On les fait découvrir. Et à la fin du stage, ils choisiront leur discipline. Voilà. On va leur faire comme ça. Ça les évitera de traîner au McDonald's avec des mères qui puent le champagne avec leur pyjama Mickey dimanche à 3h de l'après-midi. Et quand tu rentres dans l'herbe de jeu pour les enfants et ça pue les chaussettes. Non, ramenez-nous vos enfants, nous on en fera des... Ouais. Wallahi l'adim, je vous le dis moi. Et le soir, tout le monde rentre chez soi. Ceux qui sont en moto, venez boire un verre, venez. Wallah, qu'est-ce que j'aimerais bien ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Nana, arrête de me faire chier. Hein, commencez pas à marceler, là. Ouais. Allô ? Allô ? Allô, salam, passez bien. Salam, frérot. Là, j'aimerais savoir au stage, frérot, il y a un uniforme ou il n'y a pas d'uniforme? J'aimerais bien, maître. T'aimerais bien? Mais ouais, j'aimerais bien. Index, frérot. Non, pas un uniforme, pas un uniforme. T'as des baskets de salope, tu rentres pas dans le centre. C'est tout. Le centre, c'est des gens qui nous ressemblent. On s'en bat les couilles, nous, de la diversité. C'est ouvert à tout le monde. Rebeu, Renoir, Blanc... C'est ouvert à tout le monde, mais je sais pas, tu viens avec des Alex McQueen, tu rentres pas, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, on se ressemblera tous. J'en ai rien à foutre, moi, de connaître des gens. On se ressemble tous, on a tous la même mentale, frère. Mais quand tu prends une vue extérieure, on a l'impression que les gens, ils vont dire, ils veulent diviser, ils veulent ci, ils veulent ça. Tu vois, quand tu parles, on dirait, c'est... Tu dis, mais je les emmerde, les gens, je les emmerde. Tu sais pourquoi? Parce que le plus grand ennemi... du gouvernement mondial et le communautarisme. Il n'y aura que le communautarisme qui va nous sauver. Le communautarisme nous fera jamais devenir des Dyson et des non-genrés. Et ils ont peur de ça. Et le communautarisme, c'est pas que la couleur de peau et la nationalité. C'est un état d'esprit. Parce que quand dehors, ça sera le chaos, on aura le centre TH où on pourra se retrouver avec des gens normaux. Wallah. Wallah.
tu donnes envie, hein. Là, c'est joueur, moi. J'aimerais bien, je te jure, moi aussi, j'aimerais bien. Je pleurerais de joie. Je verrais le centre comme ça. Je regarderais par ma fenêtre, je verrais tout le monde autour. Les enfants en train de jouer. Les frères en train de parler mécanique. Ouais. L'autre, il a rendez-vous ouais, avec l'autre. Il y a un petit casse-dalle. Wallah, frère, il y a un petit casse-dalle. Des conseils, même des conseils de vie. Des conseils pour arranger des gens, le, pour... C'est le association. J'aimerais bien, frérot. Wallahi, j'aimerais bien. Oui, mais frérot, j'aimerais bien, mais j'ai envie de te dire, fais-le. Déjà, on y planche un peu, mais j'ai envie de te dire, c'est pas gratuit. Il faut un système où on s'autofinancera. C'est-à-dire, quand on aura ce centre, on fait un partenariat, le frère, il nous emmène du matériel, on fait vivre un peu avec les boissons, on fait vivre un peu avec les... Mais j'ai envie de dire, moi, j'aimerais bien. Moi, ce que j'aimerais bien le plus, c'est... J'aimerais... Voilà, moi, Wallah. Moi, j'aimerais bien le plus, c'est... Faire un... S'occuper un peu de... De toutes ces femmes que j'ai appelées le cimetière des éléphants. Leurs fistons. Wallah, il a dit, si c'est des femmes qui tiennent la route... Ces femmes-là seront en priorité. J'ai même pas envie de voir leur mère. J'en ai rien à foutre, moi, de leur mère et tout. Mais il y a des petits qui n'ont pas de papa qui méritent, qui vivent dans un environnement d'hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gamins qui vivent avec leur mère et malheureusement, leur mère, elle a des copines et rien que ça parle de choses bizarres. Et ouais, ça reste avec des filles et ça grandit avec des filles. Non, moi, j'aimerais bien lui rendre son enfant... Il aura les joues griffées, il aura de la chnoun, il se sera ouvert un peu, il aura appris quoi. Wallah, il aura appris. Bah, Wallah. Très bien, mais j'ai une question à te poser. Là, ce que tu dis, c'est un peu la mentale d'avant, d'accord? De ta génération à toi. Ouais, après. Ouais, mais là, est-ce que c'est regrettable pour toi, là, actuellement, la génération dont tu es en train de vivre? Wallah, la génération non. actuelle pour toi. Wallah, c'est regrettable non. ou pas? Wallah, elle est... Wallah, frère. Cette génération, elle est perdue. Elle n'est pas regrettable. Elle est perdue. Demain, si on arrive, nous, à faire ce genre de projet, ils vont venir pour s'y intéresser, pour rigoler. À la fin, ils ne pourront plus s'en passer. Et le fait est qu'ils ne s'en passent plus. Eh bien, ils auront la même mentale. Il y aura des choses qui vont changer. Wallah, alors, frère. On parle d'aujourd'hui, mais ça se peut dans 10 ans, ça va être encore pire. Pire, eh ben sauvons ce qui reste. Au moins le jour où ça va être pire, on pourra se retrouver nous dans ce local déjà, pour pas perdre la boule, pour pas devenir fou. Aussi trouver des gens qui nous ressemblent, on n'est pas des fous. Après je pense qu'ils m'enfermeront avant. Ils voient un projet comme ça, mes frérots ils me cassent le cul. Ils veulent pas. Par contre je mets un drapeau arc-en-ciel, ils me donnent des financements. Non. Non. Ah, parce qu'il y a des associations qui sont, mais tu sais, c'est la mairie, elle finance et tout. Toi, c'est mort, frère. On s'en fout, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut, c'est un endroit où se retrouver, où on peut réparer sa moto, on peut réparer sa voiture, on peut se couper les cheveux, on peut faire la salade, on peut prendre une douche, on peut faire du sport, on peut. C'est très important, ça. On peut gamelle, on peut manger, on peut squatter un peu. Voilà, et on ramène les enfants. Et crois-moi qu'il y a des frérots, ils prendront plus leur fils pour les ramener avec nous. Ça va soulager sa maman. Moi, c'est important. Voilà. Il y a des mères qui éduquent leurs enfants seuls. Ils les éduquent à l'ancienne. Mais malheureusement, maman, ça va bloquer. Même si les bases sont bonnes, le fiston, il a besoin, maman, d'un environnement d'homme. Wallah. Ouais, la maman, elle peut pas tout faire. Non, Dieu. Après, on va... Après, en fait, c'est plus un point de repère. Ce machin, il sera ouvert, souvent. Il sera toujours ouvert. Les gens qui viennent de Marseille, de Paris, ils passent par Lyon, ils s'arrêtent, au moins, ils savent où aller. Ils vont venir dans le local... Et dans le local, ça va leur donner les bonnes adresses, ça va leur parler. Ah, mais toi, ah, mais c'est pas toi qui étais avec lui avant et tout. Ah, ouais, mais moi je connais et tout. Finalement, même si on n'est pas tous du même endroit, on se ressemble tous. Voilà. Un Neverland pour les ragondins. Un Neverland pour les rats. Voilà, c'est ça. Toi, tu vas à Zarmat, t'es en terrasse. Et là, il y a un frère, il dit oh, mais ta voiture, elle est bizarre, viens, on va voir.
Et là, ça se non, il arrive, Selem, voilà, parce qu'ils viendront, parce que ça va être nous. Et dès qu'ils vont venir, voilà, Selem, les frères, je suis de passage, je suis avec l'Amra. Est-ce que vous avez un restaurant ou bien manger? Ouais, frérot, tu vas là-bas, inquiète-toi pas, c'est tranquille avec elle. Le frérot, il arrive, il a mon âge, il veut pas traîner dans, dans le quartier pour prendre un peu de F, il vient vers nous, nous on le renseigne. Il y a un petit qui arrive, qui lui dit... Voilà, plein de trucs comme ça, j'ai envie de lui dire. Voilà, ben, voilà, si on peut trouver un truc, l'autre, il dit, vas-y, je suis intéressé. Et pourquoi pas? Wallah, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je pense que c'est très bien. Il y aura des sapes, l'autre, il va vendre ça, l'autre, il va... Il donne un tuyau pour un autre, il donne... Non, c'est très bien. Très bien, ça. Avec un potager... Pour leur apprendre aussi. J'aimerais bien un Neverland pour nous. Un atelier d'électricité aussi. Non, ça faut pas abuser, mais imagine-toi que ça se développe, bien sûr. Formation, on peut les former à plein de trucs. Il y a des... Mais voilà, il y a des possibilités monstrueuses, mais malheureusement, on nous mettra des bâtons dans les roues. Ça sera les gens, les premiers de notre communauté qui le feront, ça. Et j'ai envie de te dire, cette utopie, c'est pas grave, mais on peut commencer petit. On peut commencer avec un petit truc. Tous les gens qui viennent de l'extérieur et qui s'arrêtent à Lyon, ils passent par le local, ça leur servira un thé, ça leur donnera ce qu'ils ont besoin. Voilà. Il y a un mec qui a dit un zoo avec un parc aquatique. Non, non. Mais bon, voilà, frérot. En tout cas, c'est ce qu'on va faire, nous. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, frérot. Wallah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, frérot. T'es un bon. Prends soin de toi, frérot. Bassem, tu veux... Tu veux... Ouais, exactement. Exactement. Je vais assembler des chars dans l'arrière-boutique. Exactement. Bon. Je vais aller manger ma charlotte, mais j'en ai rien à foutre. Ouais. Allons-y, ouais, bien sûr. Mesdames et messieurs, on revient demain jeudi d'après. Alors bien sûr, j'ai pas pris tous les numéros. Demain, on essaiera de reparler du sujet. Vite dédicace à vous, salam alaikum.